Nga pesi bansombote katina kombo ya nkolo Yesu Kristo. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Tous en essengo. Avons-nous la joie. Toko fungula Biblia. Nous ouvrons la Bible. Genèse mokapo mozomi na mitano. Genèse au chapitre 15. Tobandi nanzira ya botangi. Zomi na misato. À partir du verset 13. Pe tokoke kosuka atana tokumi bale na moko. Et nous pouvons nous arrêter jusqu'au verset 21. Et Yahvé dit à Abraham. Pe Yahvé alobi na Abraham. Sache que ta semence sera étrangère dans un pays qui ne sera point à elle. Yeba ete mboto na yo bakozala na bakozala bapaya kati na mboko yo kozala ya bangote. Mais traduction oyo zoloba Yahvé dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Yahvé alobi na Abraham, yeba ete bakitani na yo bakozala bapaya kati na mboko yo kozala ya bango soko mukete. Ils y seront asservis. Na mboka ngo bakozala bawumbu. Et on les opprimera pendant 400 ans. Peba konyoko la bango kati na bilanga kama minei. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Kasi na kosambisa ekolo oyo na yango echaki bango na bowumbu. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Pena sima bakobima elongo na babuji ebele. Toi yo, tu iras en paix vers tes pères. Oko kende katina kimia epai na batata na yo. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Yo kokundama sima na bununu moko epambami. À la quatrième génération. Na ekolo na libota ya minei. Ils reviendront ici. Bakozongawa. Ici. Dans cette terre. Awa kati na mabeloyo. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Jambi bokese ni abamoreya nano ekomi na suka na ngote. Litondi na ngote. Quand le soleil fut couché, na tango moye lelaki, il y eut une obscurité profonde. Ezomaki mulili moko penza ya muzindo. Et voici, se fit une fournaise fumante. Petalane ezaki etumbu moko ya moto. Litumbu moko ya moto. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Pe bandemo elekaki kati na banyama oyo ekabulamaki. Disons moto. Moto, flamme de feu. Ah, moto. En ce jour-là. Kati na mokolo wana. Yahvé fit alliance avec Abraham et dit. Yahweh asalaki boyokani na Abraham pe alobaki. Je donne ce pays à ta semence. Azali kopesa mboko oyo na momboto na yo. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Ute bele Egypto kino ebale monene. Le grand fleuve d'Euphrate. Ebale ngo monene ya Euphrate. Le pays des Kenyans, Bokango ya Bakenyana, des Kenyziens, ya Bakenyziens, des Kadmoniens, ya Bakadmoniens, des Étiens, ya Baétiens, des Phéréziens, ya Baphéréziens, des Réphaïm, ya Baréphaïm, des Amoréens, ya Baamoréens, des Cananéens, ya Bakanana, des Girgaziens, ya Bakirgaziens, et des Jébusiens, et ya Bajébusiens.
yekala likulu ya litangi ya lirobaliye zambi na nguya nyoso asopa mapambuli katina kumbu ya nkulu Yesu Kristo. Que suit la lecture de cette parole, que le Dieu Tout-Puissant déverse les bénédictions au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Tukwekova. Pouvons nous asseoir. Mikolombi balé miye. Ces deux jours-ci, mi pesama puna ba kongole mizala mikolo mia bopemi ont été donnés aux Congolais pour être les jours de repos férié, les jours fériés. Oyo musala mukusala mate, donc il n'y aura pas de travaux. Musala de travail, il n'y aura pas de travail. Ikaniselo ya bilombe babale. À mémoire des deux héros. Baye babo mama kipo na ekolo. Qui ont été tués pour la nation. Zambi bazalaki ba nationalistes. Parce qu'ils étaient des nationalistes. Basaki kolinga ekolo ya bango. Ils aimaient leur pays. Banguna basepela kete. Et les ennemis n'étaient pas contents. Banguna ekolo. Les ennemis du pays. De babomake bango. Et on les a tués. Kubanda na Emery Patrice Lumumba. En commençant par Emery Patrice Lumumba. Pe kulanda kana Désiré Joseph Kabila. Suivi de Désiré Joseph Kabila. Voilà. Le nom Joseph était na kati ya kombo ya Kabila. Mais il ne voulait pas, donc il a zalokola Désiré Joseph Mobutu. Le nom de Joseph était là, mais il ne voulait pas. Mouze Kabila abomamaki lobruleki. Mouze Kabila était tué hier. Mais les lots, ils allaient pour Emery Patrice Lumumba. Mais aujourd'hui, c'est pour Patrice Emery Lumumba. Omone ata soko lingi mututi. Vous voyez, même si tu n'aimes pas la personne, yo kela yete. Toi, tu ne l'as pas créé. Tu n'as pas créé cet homme. Alléluia. Tu vas les haïr pourquoi? Et tu vas les tuer pourquoi? C'est pas bien. Et ça, madame, t'es. Et ça, lelo na politique. Et ça, aujourd'hui, en politique. Même na kati ya ba société ya batu ba même, pays, même dans les sociétés des pays, des gens, de gens dans des pays différents, bah, tout cas, c'est dans des hommes, hommes bato. Il y a beaucoup de systèmes. Ils allaient dans un système ébélé. Donc, l'ulenge ya kosale la maka. Beaucoup de systèmes. Beaucoup de système. Le lenge belé akosa la makambo. Be eloko ezo baby sabat. Et ce qui dérange les gens, eza ba système. Ce sont des systèmes. Yangonde ekoy kokomisa mutu azala mabe. C'est ce qui peut faire de l'homme devenir mauvais. Système. Le système. Mais des fois, mutuer monko, azana likambute. Mais des fois, la personne elle-même n'a pas de problème. Mais tango ako s'imprégner, ko s'impliquer na kati ya système moko bouye. Mais lorsqu'elle va s'imprégner dans un système comme quelconque, et puis abani ko sala makambo ya système ena, biloko ya système ena. Il commence à appliquer les choses de ce système-là. Ndio moni
akomi ata perverti. C'est alors qu'il devient même perverti. Akomi un pervers. Il devient un pervers. Abalulami. Un pervers. Il devient méconnaissant, mais il n'était pas comme ça. Mais comment il est devenu comme ça? Il y a un système. C'est un système. Politique, nakati nango, yape politique yango moko ya système. La politique en elle-même c'est un système. Mais en réalité, définition ya politique eza démagogie. Mais en réalité, la définition de la politique ce n'est pas la démagogie. C'est-à-dire ya lukutati. Pas la démagogie. Eza art de gouverner. Eza le lenge ya kokunza. Je ne dis pas dominer. Yakokamba. Ah voilà. Gouverner, ça bokamba. Le lenge yakokamba. Konyangela makam. Kotambusa makam. Kotambusa makam. Nde oui bien aimé la politique. C'est ce qu'on appelle la politique. Par définition y a mot. Par définition des mots. Par définition y a mot. Nandenge yakomanyola ya lilobango. Mais maintenant, système est là. Ce système là, Satan s'accaparé nango. Satan s'en est accaparé et a perverti. Et il a perverti. Parce que tout ce qui est bon. Oui, tu dis ça malam. Moussala ya Satan est allé ko balola yango. L'œuvre de Satan c'est de pervertir cela. Donc, à ça, les langues n'ont dingue ou yaye. Qu'il le fasse de sa manière. Et la perversion. Et quoi, balolama? C'est la puissance satanique. Zalingu yaya Satan. Attendenge yonangai toali lelo. Même toi et moi, tel que nous sommes aujourd'hui. Dingue tu yaka koko ma basu muke. Tel que nous sommes devenus des pécheurs. Banda na Adam na Eve. Et puis Adam et Eve. Nzambe akela bangote basumuki. Dieu ne les a pas créés des pécheurs. Eza nalola kuna. Que soit là au ciel. Oh lelo babenga ye Satan. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Diabolo. Diable. Nzambe akela yete Satan. Dieu ne l'a pas créé Satan. Akela ye diabolo te. Il n'a pas créé diable. Il ne l'a pas. Créé, il ne l'a pas. À quel qui était? Ah. Diable. Diable. Satan. Satan. Et il n'a pas créé non plus l'homme pécheur. À quel qui m'a dit? Terre. Zambé, à quel ange était? Bah, démon. Dieu n'a pas créé des anges, des démons. Non. Terre. Donc tout ce que dit quoi bandengwana. Alors nous devons savoir comme cela. Akila bango bikilamu ya malamu. Il nous a créé des bons êtres. Des bonnes créatures. Des bonnes créatures. C'est ça. Zabongo. Mais perversion. Qu'est-ce qu'on parle là? Et un pervertisseur. Est venu par les pervertisseurs. Et le pervertisseur. Et mon baloli. Nde oyoyaka nasima kokoma Satan. C'est celui par la suite est devenu Satan. Nde diable. Et diable. Mais azalaka satate na bokelaminaye. Mais dans sa création, il n'était pas Satan. Il ne l'était pas. Azalaki bongote. Ni diable. To diable. Il était un chérubin. Azaki mukeluba moko. Aux ailes déployées. Na ma papo matandam. Selon le grand témoignage de Dieu. Engebe l'état tout le monde ensemble. Qui est la Bible? Oui, za Biblia. Zotalisabis. La Bible nous montre ça. C'est ce que nous croyons. Yango toza kondima. Parce que pour commencer, oui, pas banda. Le péché les sumongo, n'a pas été créé. Yangwe kelama kite.
Péché n'est pas une création ou une créature. Les sommes aux alliés que la moté. Non. Té. Ogoyoga batu baike baloba. Dieu a tout créé. Tu vas entendre les gens dire Zamba kela kinyoso. Jusqu'au péché. Kino les sommes. Non, il n'a jamais créé le péché. Té yano akela les sommes té. Le péché n'est pas une création. Les sommes aux alliés la moté. Mais c'est une perversion. Quand c'est Zali qu'on parle lama. Hein, frère Jacques? C'est ça le péché. Wanande le sumu. C'est pas une création. Zali te kelamu. Une perversion. Zali qu'on parle lama moko. Et perversion est outil à pervertisseur. Et cette perversion là vient du pervertisseur. Et pervertisseur. Et mon baloli. Né Lucifer, Oya Komaki, Satan, le diable. C'est Lucifer qui est devenu Satan, le diable. Tu es là, Gimbala Moussouawa. Vous avez entendu une fois ici? Lucifer. Lucifer. C'est ça? Luciferi. C'est Luciferi. Alors, Luciferi. Luciferi. Eza porte lumière. Eza le mon même Yapole. Et il y a mon même Yapole. C'est-à-dire porte lumière. Donc, un astre brillant. Mon zote moko e kongenga. Fils de l'aurore. Mwana ya tongo tongo. Voilà. De Luciferi. De Luciferi. Il y a la Bible. C'est dans la Bible. Ce qu'on dit dans Ézéchiel, dans Isaïe. Si tu vois dans Ézéchiel, dans Isaïe. Tu vas trouver ce que je viens de dire là, ça se trouve là. Et, balinga mbikati nan kolo. Et, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez Dieu lorsqu'il a créé des anges. Tango akeli pe nasima mutu ana mabele. Et lorsqu'il a créé l'homme après ici sur la terre. A placé katina bango eloko babengi bosomi ya kopono. Il a placé en elle le libre arbitre. C'est le libre choix. Ezali libre choix. Libre arbitre. Kopona ya bosomi. Donc, Moutou, alors l'homme, pona, il peut choisir comme il veut. Le mot Dieu, le bon exemple, na français, Lingala, Kikongo, ainsi de suite. En français, Lingala, Kikongo, bongo na bongo. Ilingi koloba, oyo bakusambela. Veut dire un objet d'adoration. Ce qu'on adore. Yango bakusambela. C'est-à-dire ce qu'on adore. De Dieu. C'est ce que signifie Dieu. Mais kasi. Na biloko oyo bakusambela, hein frère et Peter. Biloko bakusambela. Et toutes les choses qu'on adore. Eza na moko ezali ya vrai. Il y a une seule qui est vraie. Ah. Yonso e kuko sambela ma o batu balingi ko sambela. Eza la banje, eza la batu na mabele awa. Tout ce qu'on peut adorer. Il y a un moko, il y a solo penza. Il y a un seul qui est le véritable. Yango eza nini tonani. C'est qui et c'est quoi? Eza Elohim. C'est Elohim. C'est-à-dire? Elingi koloba. Celui qui existe par lui-même. Il existe. Azali. Si tu le vois, Soko moni, il est là. Azali wana. Il existe Azali. Par lui-même. Na on ne l'a pas appelé à l'existence. C'est-à-dire celui qui vit, il vit. Azali. Par lui-même. Na on ne lui a pas prêté la vie. Non. Il est lui-même la vie. C'est lui qui donne la vie à toute chose. Mais lui-même, personne ne lui a pas donné la vie. Il vit par lui-même. Il existe par lui-même.
Alors, Oyowana, alors celui-là, n'est le vrai Dieu. C'est-à-dire le véritable sujet d'adoration. Tout ce qui est différent de lui, faux Dieu. Ce sont des faux dieux. C'est ça. Mais Batbanso Bazui et Muniseli et Nati. Mais tous les hommes n'ont pas eu cette révélation. Buyebiwana Bazangiamo. Cette connaissance, ils n'en ont pas. Yango Basambela Bafo Dieu. C'est pourquoi ils adorent des faux dieux. Un faux Dieu en réalité. Zambia Lokota, Katina Bosolo. C'est-à-dire. Elin Koloba. Un Dieu qui ne vit pas par lui-même. Qui n'existe pas par lui-même. Qu'on a appelé par quelqu'un d'autre à l'existence. Il est faux. Ce que vous adorez. Même Yomoni Aza être vivant. Même si tu vois que Azali est na bomoi. Sa vie là. Va penser hier à celui qui vit par lui-même. On lui a donné pas celui qui vit par lui-même. Donc entre les deux, ces deux êtres vivants. Ah, le véritable Dieu entre bango. Zambe oya solo katikati na bango. Ezali celui qui vit par lui-même. Ezali oya kopika na yemei. Mais l'autre ne vit pas par lui-même. Akopika tena yemei. Alors soko sambeli oyo abika kana ye mokote. Alors si tu adores celui qui ne vit pas par lui-même. Alors zo sambela ekeko. Alors tu adores idole, une idole. C'est cela le but. C'est pourquoi les adorateurs d'idoles. Non, les idolâtres. Les idolâtres, pardon. N'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible dit que fuyez l'idolâtrie. Il faut fuir cela. Amen. Amen. Donc, toujours dima dengewa. Alors, c'est comme ça que nous croyons. L'adoration n'a pas commencé ici sur la terre. Losambo ebanda kia wate na mabele. Non. Te. L'adoration. Losambo. A commencé. Ebanda ki. Dans les cieux. Kati na lola. Et ensuite. Benasima. Eye kokoma ana mabele. C'était devenu aussi ici sur la terre. Dieu basambela ye Elohim basambela ye premièrement na mabeleti. Elohim on l'a adoré premièrement on pas ne l'a pas adoré basambela qui était yambo yambo awa na mabele. Non te. Mais c'était au ciel. Parce que zaki na lola. Dans le ciel. Kati na lola. Les premiers adorateurs, il y a Elohim. Basambele ya libosi ya Elohim. Ce n'est pas l'homme de la terre. Zali moti ya mabelete. Ce sont des anges. Zali nde bangelo. Des chérubins. Ba chérubin, ba kiruba. Des séraphins. Ba séraphine. Ba séraphe. Ba séraphe. Ba kiruba. Ba kiruba. Et des anges ordinaires. Et ange lokola batunyos. Anges ordinaires. Ange ordinaire. Les anges ordinaires. Bangonde badorateur ya liboso ya Elohim. Ce sont les premiers adorateurs de Elohim. Et c'est à ce temps-là. Ezalinde na tangwana que son attribut Dieu est un pivonaye ya Nzambe. Ne monisamaki. A été manifesté. Amen. Alléluia. Pifo yaye ya Nzambe. Et monisamaki na tango oyowana. Son attribut Dieu a été manifesté en ce temps-là. Attribut ya nani? L'attribut de qui? Ya Elohim. De Elohim. Ya Nzambe. De Dieu. Que yende oyo basambelaka. Que c'est lui qu'on adore. Ah.
le vrai sujet d'adoration. Tina ya solo ya lusambo. Le vrai Dieu. Zambo ya solo. Deye. C'est lui. Comme il y vit par lui-même, il existe par lui-même. Donc il est le créateur. Celui qui a appelé toute chose à l'existence. C'est-à-dire celui qui a créé toute chose dans les cieux et sur la terre. Des êtres célestes et les êtres terrestres. Mokeli Isaïe. Le créateur, c'est lui. Yende appelle ça Eloko na Eloko Bombo. C'est lui qui a donné la vie à chaque chose. Soko tangi ata Ntoma Paolo. Si tu vois même l'apôtre Paul, Azolo Babouye. Il dit ceci. Tutanga nanango. Disons d'abord cela. Na les actes des apôtres. Na misala ya bantoma. Misala mukapo mwazomi na sambo. Les actes au chapitre 17. Abiboui. Il dit ceci. Sokitozue. Verset 22 à Tanandako. Si nous prenons le verset 22 même à la maison. Metukobanda. Oui, Tawana. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit. Paolo, na kotele maka na katikati ya aéropage alobaki. Homme athénien. Mibale ya athénien. Mibale ya Athènes. Homme athénien. Mibale ya Athènes. C'est ça le cola. Homme quinois. C'est comme homme quinois. Comme homme quinois. Moto quinois. Batu. Batu quinois. Non, pas Batu quinois. Batu ya Kinshasa. Les quinois sont des habitants de Kinshasa. Homme quinois signifie Batu ya Kinshasa. Batu ya Kinshasa. Homme athénien, Batu ya Athènes. Homme parisien, Batu ya Paris. C'est ça. Homme athénien, Batu ya Athènes. Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Na zali kukuta bino na ngambo nyonso basambe lipenza ya kolekisandelo. Ah! Et tout excès nuit. Pe kolekisandelo nyonso yandelo e pebisaka. Ndenge bino buza ko sambela. Tel que nous adorons. Na lulingi na bino ya ba religieux basambe li batu ya biyamba boza na extrême. Vous êtes à l'extrême. Alors, mais pas ni nazo lobandengwana. Dis pourquoi j'ai dit cela. Car, Jambi, en parcourant votre ville, nakotambula kana ingumba na bino. La ville, c'est Athènes. Ingumba ngonde Athènes. Bafani nango ba Athéniens. Les habitants, ce sont des Athéniens. En parcourant votre ville, nakotambula kana ingumba na bino. Et en considérant les objets de votre dévotion, de votre adoration, de votre vénération, regardez ce que je vis ou découvert. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription. Nankoma oyo. À un Dieu inconnu. Na nzambe moko ayebanite. Donc, esikoyo. Et maintenant. Tozosambelande nzambe oyo ayebanite. Nous adorons un Dieu inconnu. Nous l'adorons ici. Mais banzambe isusu toyebi. Mais d'autres dieux, nous les connaissons. Mais moko nakati na bango nyoso na ayebaniti. Mais celle parmi tous ceux-là est méconnu. Toyebi était un dieu inconnu. Un dieu inconnu. Mais
Mais nous les vénérons. Maintenant, Paul est radié. Zambe angoyo, c'est-à-dire ce que vous révérez. Zamboyo. Bozali ko sambela. Voilà. C'est pourquoi quand moi on m'appelle révérend, je n'accepte pas. C'est pourquoi ngaita ou benga kanga révérend. Parce que personne ne peut me révérer. Pete moto moko akoko sambela ngaita. Révérend, révérend. Révérend, révérend. Tout celui qui m'appelle dans le téléphone, révérend. Non, mais, non, mais tu m'as confondu. Ce n'est pas révérend, c'est le frère Lidanga. Ah, ce n'est pas révérend, ils ont des Kulidanga. Ah, révérend. Nabi, révérate. Ah, pas révérend. C'est ça. Ils ont frère Lidanga. Ils ont des Kulidanga. Ce que vous révérez. Zambouana, vous allez quoi sambela. Yango. Ce que. Ce que vous adorez, ce que vous révérez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est lui. C'est ce Dieu-là que vous adorez, que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais. Et c'est ce que je vous annonce. Moi je le connais. Donc parmi vous tous, moi je connais ce Dieu-là. Vous le vénérez, vous le connaissez Bernadette. Pas. Moi je le connais. Il s'est fait connaître en moi. Il s'est révélé à moi. Sur le chemin de Damas. Je le connais. Amen. Azanan. Qui est-il? Il commence à leur dire ce que ce Dieu-là. Le Dieu qui a fait. Zamboya Salaki. Le monde. Mokili. Et tout ce qui s'y trouve. Ena nyonso ezwami na kati. Ndoyo bobengi Dieu inconnu. C'est celui que vous appelez Dieu inconnu. C'est ce Dieu inconnu là par vous. Zalenzamboya ayebani te kati kati na bino. C'est le Dieu qui a fait le monde. Zalenzamboya et tout ce qui s'y trouve. Ena nyonso ezwami kati na mokili yango. Même le ciel. Esa la lola. C'est toujours lui. Zaleka kaye. Maintenant, ça c'est Azanan. Qui est-il? Abi étant. Abi Kozalaka. Le Seigneur du ciel. Kolongo ya lola. Et de la terre. Veya mabele. Il est le Seigneur. Azali Kolongo. Du ciel. Ya lola. C'est-à-dire le maître. Koloba Kolongo. Le propriétaire. Kolo. Du ciel. Ya lola. Et de la terre. Veya mabele. Lui appartient. Ezali ya ye. N'habite point avant d'accaster comme qu'était dans des temples. Quand il a banté pelo, fait de main d'homme. Oui, salamaki na loboko ya moto. Non. Té. Il ne peut pas y habiter. Akoko vanda kuna té. Et encore. Pele susu. Il ne peut servir. Yé asale la main soko mukete. Par des mains humaines. Na maboko ya bato. On ne peut pas l'aider. Bako ko sunga yete. Lui vienne au secours. Ko sunga yete. Non. Te. Amen. Amen. Nan dengini. Comment? Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Loko lande azaki na bosenga ya loko sunga. Vous allez l'aider en quoi? Ko sunga yeka tina nini? Il a besoin de quoi? Azana bosenga ya nini? Il n'en a pas besoin. De quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que lui, mais c'est lui qui donne à tous la vie. Mais lui est la vie même. Étant la vie, la vie éternelle, il donne à tous la vie. Et il vit par lui-même. Il existe par lui-même.
Et il ne donne, il ne leur donne pas seulement la vie. La respiration même. Pema, écoute. Il leur donne. Il donne à tous la vie. Et encore la respiration. Pema. Et pour finir, toutes choses. C'est lui qui donne aux hommes. Même il donne à tous, même les animaux, tout, les poissons. Tout. C'est lui qui donne la vie. Même aux anges, c'est Dieu qui leur donne la vie. Des anges éternels. Voyez, il y a une erreur. Aujourd'hui, les gens disent les anges ne meurent point. C'est faux. Le quota. Les anges meurent. Banje bakufaka. Et ils mourront. Mais bakokufa. Faut savoir comme cela. Il est le seul. Azali moko kak. Lui-même. Yemoko. Qui possède. De azui. L'immortalité. Kozanga kufa. C'est ce que docteur Paul nous demande. Yango mola ki se Paul ako tali sabisi. Yango yawa. CTC. Yango yawa. CTC. 1 Timothée. Moko Timothée. Abiboui. Il dit ceci. Verset 16. Molongo ya zomi na mutoba. 1 Timothée 6 verset 16. Moko Timothée mutoba zomi na mutoba. Qui seul possède l'immortalité. Qui seul possède l'immortalité. Seul. Quand on dit seul, que ça soit dans le ciel, que ça soit dans le ciel, et aussi sur la terre. Il est le seul qui possède l'immortalité. Qui est appelé éternel. Celui qui vit par lui-même. Qui existe par lui-même. Seul. Mokokak. Amen. Amen. Donc, bisutu zondima ndenge wana. Alors c'est comme ça que nous croyons. Maintenant, Lucifer, très jaloux, Nazo Amingi, envoya na komonaka que cet être était Ezalioyo. Alléluia. Bazo sambelaye. On l'adore. Mais lui, Lucifer n'a pas une créature qu'il adore. Il n'en a pas. Mais ça, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi m'adorer? C'est ça. Zabongo. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Il a dit, moi aussi. Nous allons faire quelque chose. Je dois faire aussi quelque chose. En sorte qu'on puisse aussi m'adorer. C'est pourquoi tu as entendu Paul l'appeler. Les incrédules qui doivent périr. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Les incrédules. Le Dieu de ce siècle, Zamba ya ikekoyo, de cet âge mauvais, ya ikekoyo, ce Dieu-là, Zambana, c'est Satan. Zale Satana. Satan azaki na yenzambete. Satan n'était pas Dieu. Donc, akoye kozala objet d'adoration. Il ne pouvait pas être un objet d'adoration. Non, de. Parce que aza créature, donc Lucifer, aza créature. Aza ikelamu. Il ne méritait pas l'adoration. La vénération. Non. Pour Azaki, créature. Oui, Azaki, c'est même que toi et moi.
Différence kaka. C'est mal la différence. Il y a sa créature céleste. Il y a créature terrestre. Il y a mabele. Soki bako kosambela yote. Si on ne pouvait pas t'adorer. Yo bonga na kosambela mate. Toi, tu ne mérites pas d'être adoré. Ah yebe. Lui aussi. Bako kosambela yete. On ne peut pas l'adorer. A bonga pe na kosambela mate. Il ne mérite pas d'être adoré. Même soki omoni balingi kosambela yo. Même si tu vois en fait ta adoration. Tu vas refuser l'adoration. Yebe sengraki. A boya adoration. Tu le refuses l'adoration. Et c'est un ange sous la Bible. Il y a un autre ange ici dans la Bible. Jean, le prophète, le voyant du Nouveau Testament. Il y a un foulé l'adorer. Mais il a refusé. C'est ici. C'est ici. Na Apocalypse. Na imoni seli. Verset 10. Zomi. Je tombais à ses pieds. Na kweya ki na makaka na ye. Au pied de l'ange. Na ou de cet ange. Tona moi joana. Voilà. Oye. Na moi joyo. Je tombais à ses pieds. Na kweya ki na makolo na ye. C'était pour faire quoi? Zaki pona kosa la. Pour l'adorer. Pona kosa mbela ye. Pour le vénérer. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Ne m'adore point. Ne me vénère point. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Maintenant, en refusant l'adoration, il lui donne la possibilité. Ou bien il lui ordonne. Adore Dieu. Sambe l'ensemble. Pas moi. Gaïté. Mais si tu veux adorer, adore Dieu. Sambe l'ensemble. C'est-à-dire adore Elohim. Celui qui vit par lui-même. Celui qui existe par lui-même. Qui a créé toutes choses. Adore lui. Et lui seul. Et il dit. Car le témoignage de Jésus. Les têtes de Jésus. Et l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas le témoignage de Jésus et le don de la prophétie. Ou un don de la prophétie. Non. Mais le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Et le témoignage de Jésus, c'est le grand témoignage. C'est le plus grand témoignage. Qui témoigne que Jésus est Dieu manifesté en chair. C'est ce grand témoignage-là qui est l'esprit de prophétie. Qui nous témoigne qui est Jésus? Qui est le Christ? Christ.
Il est le Messie venu en chair. C'est Yahshua. Il y avait Sauveur. Il y avait Mobikis. Qui est venu en chair. En tant que le Messie. Loin, le Christ. Dans la chair humaine. Et que nous attendons aujourd'hui. Qui doit venir de nouveau en chair. Il y a venu en chair. Non, il y a venu en chair. Voilà. Et venant en chair. Amen. Ayaki katina musuni. Venu en chair. Mbe koyaka katina musuni. Et venant en chair. Voilà. C'est cela. Donc. Dans sa première venue, en chair. Dans sa seconde venue, en chair. Et nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Amen. Vous voyez ici, il dit adore Dieu. Ne m'adore point. Pas. Non, jamais. Mais adore Dieu. Pour la deuxième fois, au lieu que Jean, Alain dit ça, hein, ma soeur, sois exhorté. Non, il a vu seulement cet ange, lui montrer malgré qu'il a dit que j'ai refusé, et que je sais encore. Non mais regardez ce que ça veut dire. Et vous vous allez à la humilité. Ça peut faire qu'il fait. Il agit par humilité. Comme quelqu'un d'humble. Ah non. Qui a de l'humilité non. Non. Il faut en continuer car. Je dois seulement insister. Landa. Suivez. Chapitre 22. Mon capot a tout mis en Verset 6. Il me dit. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, Petalani. Je viens bientôt. Nakoya Kalate. Heureux, mon pambouami. Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc des paroles écrites. Des prophéties écrites. Et il dit, c'est moi. Ça c'est Jean. Oui, c'est moi, Jean. Qui ai entendu et vu ces choses. Toi, tu n'as pas entendu ni vu les choses en question. Mais c'est moi, Jean. Je suis le vrai témoin de ces choses. Un vrai témoin. C'est moi qui ai entendu. C'est pourquoi Nayokaki. Oh, Nayokaki. C'est moi qui ai entendu. Nayokaki. Et vu. Pena Monaki. C'est chaud. Pilokoye. Et quand j'ai entendu. Pena Tango. Et j'ai vu ces choses. Pena Monaki Pilokoango. J'ai tombé au pied de l'ange. Nakoyaki Namakoreya Mwange. Qui me l'a montré. Et c'était pour l'adorer. Lui chanter dans mes chansons. Lui glorifier. Lui exalter. Lui magnifier. Mais. L'ange me dit. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis pas Dieu. Je suis un serviteur. Ton collaborateur. Dans cette œuvre.
et compagnon de tes frères, les prophètes. Parce que toi, Jean, tu es un prophète. Et tu as aussi tes frères qui sont des prophètes comme toi. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Donc de paroles écrites. Pas les saints du tonnerre, mais les paroles écrites. Alors maintenant, voici mon ordre. Adore Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Paul nous dit ceci. Paul a l'obéi n'abissoboye. Dans Hébreu. Aba Hébel. Chapitre 1, verset 6. Mulonga mutoba. Et de nouveau. Peli susu. Lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, le Messie entrant dans le monde, il devait être le premier-né. Et lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, ou lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit, il donne un ordre que tous les anges de Dieu l'adorent. Dans le ciel, Dieu avait créé beaucoup d'esprits. Et lui-même était aussi l'esprit. Alléluia. Mais parmi tous ces esprits, le seul esprit qui devait recevoir l'adoration, c'est Elohim. Car Dieu est esprit. Et des anges ont été créés en tant que des esprits. C'est ici. Il y a même chapitre. Du même chapitre. Nous sommes au verset 6. Nous sommes au verset 6. Mais il y a verset 14. Maintenant au verset 14. Il dit ceci. Alors, boy. C'est-à-dire au sujet des anges. Paul a nous montré qu'ils sont des anges. Qui sont des anges? Ah, tout n'a l'air motuna. Il pose comme une question. Hein? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Basali banso te milimo na musala ya nzambe. Banso wana banjelu banso. Tous ces anges là. Est-ce que baza milimo te na musala ya nzambe? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Yo! Si. Baza banso. Ils sont tous milimu des esprits na musala au service ya nzambe de Dieu. Yakuto yuki moi je wana za kote le message Jean. C'est pourquoi nous avons entendu cet ange là arrêter Jean. Je suis ton compagnon de service. Nzali moninga no ya musala. Service divers. Musala ya nzambe. Alléluia. Je suis un esprit. Nzali elimo au service de Dieu, comme toi, un homme de la terre, au service de Dieu. Nous sommes tous engagés au service de Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Attends, Jésus a zalaki. Même lorsque Jésus était dans les jours de sa chair, la Bible dit ceci. Les gens ne savent pas. Landa. Suis.
Et comment m'y bouille? Il était qui ceci? Verset 11 du chapitre 4 à Matthieu. Verset 11 du chapitre 4 de Matthieu. Alors, Nassima, le diable le laissa. Diabolo atika kie. Quand il est tenté, yé. Quand il est venu le tenter. Amegi alongi yete. Il a tenté, il n'a pas su. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Alors le diable le laissa. Nassima zabolo atika kie. Et voici. Petalani. Quand le diable atika yé. Lorsque le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus. Et le servirent. Parce que des anges sont des esprits. Au service de Dieu. Et Dieu s'est fait homme. Et les anges devaient aussi les servir. Amen. Amen. Les anges servaient Jésus. Ange bazaka kosala Yesu. Bisu tuzondi madengo wana. C'est comme ça que nous croyons. Hébreux lobi, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Hébreux lobi, banso bazalite milimo kati na musala nzambe. Envoyé. Bai batindami. Ne combo ange utiwana envoyé batindami bazaba esprit. Ce sont des esprits. Esprit oyo isa envoyé. Des esprits envoyés. Esprit oyo isa ba ange. Des esprits ici sont des anges. Ba messager. Des messagers. Des esprits messagers. Milimo mitindami. Des esprits envoyés. Oyo tindamaki. Des esprits anges. Milimo ba ange. Envoyé pour exercer un ministère. Et ce ministère, c'est pas le ministère de la prédication. Pas ça. Ce n'est pas le ministère de la prédication. Mais envoyé pour exercer quand même un ministère. Et ce ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire en notre faveur. C'est nous les héritiers du salut. Le salut promis. Nous, nous sommes les héritiers de ce salut-là, de cette vie-là, promise, la vie éternelle. Nous sommes les héritiers du salut éternel, de la vie éternelle, de tout ce qu'a Dieu a joui. Nous, nous sommes les héritiers. Les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas hérité la vie. Non. Parce que lui-même est la vie. Il est la vie éternelle. Mais c'est nous qui héritons. La vie éternelle. Le salut éternel. Jésus-Christ n'a pas hérité le salut. Il est le salut. Même Siméon a reconnu cela. Il a dit. Oh, Jaminangai. Oh, laisse ton serviteur aller en paix. Parce que j'ai vu le salut d'Israël. Zambi na moni le but congo ya Israël. Et le nom même Jésus. C'est le Congo Jésus. Signifie Yahvé et salut. Et les colons Yahvé le but congo. Yahvé et salut. Quand nous disons Yahshua, Yahshua, Yahvé sauveur. Yahvé sauveur. C'est Yahvé et salut. C'est lui le salut. Le but congo.
C'est lui qui nous sauve et qui nous a sauvés. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Le véritable sujet d'adoration. Et nous sommes dans le véritable. Dans le véritable Dieu. Dans le véritable sujet d'adoration. En Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et si nous sommes les héritiers du salut, ou tu es la vie éternelle, c'est-à-dire les héritiers de Jésus. Parce que c'est lui qui est la vie éternelle. Et Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Maintenant, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez, vous qui êtes devenus croyants, vous avez la vie éternelle. Parce que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Et vous avez la vie éternelle. Vous êtes né de nouveau pour une espérance vivante. Et vous êtes passé de la mort à la vie. Tu es la mort à la vie. Vous êtes passé du temps à l'éternité. De la mortalité à l'immortalité. Amen. Amen. C'est comme ça que nous croyons. C'est ça. Vous voyez, des anges sont des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de nous. De nous qui héritons du salut. Amen. Est-ce que ça peut l'aider? Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que nous croyons. Regardez. Dieu envoyait toujours des anges. Ces esprits-là au service de Dieu. Hein, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Si on continue là, Daniel. S'il envoyait Daniel. Mange. Un ange. Parce que Daniel a un aligné. Parce que Daniel est dans cette lignée. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Si on a continué, Bange, toi mange, pas à Maria. S'il envoyait un ange. Tu manges, pas à. Toi le bail, pas à Zacharie. Il envoyait un ange, Zacharie. C'est avec raison. Et Zali Nantina. Mais ils sont allés à Oua. Nous, tels qu'ils sommes ici. Nous devons hériter le salut. Nous devons hériter le salut. Et Dieu envoie des anges. Et Dieu envoie des anges. Il envoie un ange, pas à Corneille. Auprès de Corneille. Le centenier romain. Centenier romain. Parce que le centenier romain. Parce que le centenier romain. Azagoya hérité le salut. Il était celui qui méritait le salut. Non, qui héritait. Il était prédestiné. Ah, il était prédestiné à hériter. À hériter le salut. Il y a un consangola lobic. Et des anges. Pépange. Sont. Bazali. Au service de Dieu. Namoussale ensemble. Exerçant un ministère à notre faveur. Nantina na biso. Sans nous. Na kozanga biso. Bakoko zo ministère te. Ils ne peuvent pas avoir un ministère. Ministère de bango c'est pour biso. Leur ministère c'est pour nous. Bakosala wa bakotina bango wa. Où est-ce qu'on va les envoyer? Moi je suis un messager de Dieu. Akotina n'est pas un nyamate. Akotina n'est pas un bisite. Akotina n'est pas un moto. Il va l'envoyer auprès de moine yanza. Auprès d'un fils de Dieu. C'est pourquoi
C'est pourquoi le grade que nous avons aux yeux de Dieu. Nous sommes plus que les anges. Mais les gens ne savent pas. À moi que l'ange t'adore. D'ailleurs, il est ton serviteur. Tu vas l'adorer comment? Toi, tu es enfant de Dieu. Lui, c'est un garçon de ton père. Ton père, toi. Toi, tu vas adorer les serviteurs. Non. T'es? Est-ce que c'est clair? Bon, ceux qui ont compris, lèvent la main. Donc, c'est comme ça que nous croyons. Maintenant, ça c'est. Cet ange-là, moi, Joanna, Chéribé appelé Lucifer, au service de Dieu. Non. Au lieu de continuer à servir Dieu. Au lieu de continuer à servir Dieu. Il a voulu être servi. Ya linga ke basale la ye. Ah. C'est là son péché. Wanande lisumu na ye. Aboi ko sale la alingi basale la ye. Il a refusé de servir, mais il voulait qu'on le serve. Ah. C'est cela. Ya zalanzam. Qu'il soit Dieu. Et Abendaki tiers moko ya banje ya ba étoile. Et il a attiré un tiers des étoiles. Comme yemoko azaki astre, étoile brillant. Le comme lui-même était astre brillant. Astre brillant. Ayeko benda na mokondo na ye tiers des étoiles. Il a attiré par sa queue un tiers des étoiles. C'est-à-dire ya banje basus. D'autres anges. Selon Apocalypse 12. Pour Baba Ndako adorer. Pour qu'il puisse commencer à l'adorer. C'est un grand séducteur. Azali molengo limonene. Un grand trompeur. Mokosi monene. Le père du mensonge. Tatango ya lokota. C'est Satan. Za Satana. Et banda tango ena. Depuis ce temps-là. Lucifer est devenu Satan. Et le mot Satan, le robot Satan signifie Nicolas, ennemi, Munguna, adversaire. Motelemeli. Satan et Nicolas, Munguna, adversaire. Motelemeli. Diable, l'accusateur. Mofondi. Celui qui fait, qui met des choses en désordre. Na qui embrouille tout. Il va prendre des choses en dessous. Il les met au-dessus. Donc il est banaté. Méconnaissable. Il est devenu tout cela. A comment tu Simaya. Il y a iniquité qu'on soit manakati na ye. Après que l'iniquité soit trouvée en lui. L'iniquité c'est quoi? L'iniquité zanini, bokeseni. C'est la perversion de la justice. Ezali ko balusa maya boyenge ben. Voilà. C'est cela. Eza contraire il y a équité, équité. Le contraire d'équité. Ne commis iniquité. Et ça devient iniquité. Contraire il y a justice. Le contraire de justice. Ne commis injustice. Ça devient injustice. Yende pervertisseur. C'est lui le pervertisseur. Regardez comment il s'est perverti lui-même. De chérubé, protecteur qu'il était, a commis Satan. Il est devenu Satan. Ennemi de Dieu. Adversaire de Dieu. Et l'accusateur des frères. Diable. Amen. Amen. C'est comme ça. Ayaki na mabele. C'est comme ça qu'il est venu ici là. Il était dans le paradis. Azaki katina paradis. L'Éden de Dieu. Et l'angazamba. Là où Dieu avait placé son fils. Et pas yoa pinzamba tiaki mwana na ye. Dans la capitale mondiale. Katina mboka mokonzi ya molongo mobimba. Capitale. Engumba mokonzi ya molongo mobimba. Mondial. L'Éden. Là où résidait le président de la République
du monde. Président de la République du monde. Nommé par le Tout-Puissant. Ouais, tiami na voyanguyanios. Toute autorité vient de Dieu. Même l'autorité qu'avaient Adam et Ève. Elle venait de Dieu. Dans la Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Dominez sur. Ils n'ont pas mon côté. Ce ne sont pas les mêmes. C'est Dieu qui leur a donné autorité. Il leur a donné sur toutes les questions. Awana ici sur la terre. Voilà. C'est cela. Il ne faut pas être jaloux. Le problème est à Satan. Zoua. Le problème de Satan, c'est la jalousie. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi aussi? Et jalousie. Et la jalousie. Zoua. Jalousie. Bezoua. C'est quelque chose de mauvais. Et à malamouté. C'est pas bien. Et où tu n'as pas embêté. Ça ne vient pas de Dieu. Et où tu en as Satan. Ça vient de Satan. Voyez-vous. Il ne faut pas qu'on en ait jalousie. Il ne faut pas avoir la jalousie puisque le frère est béni. Parce que le frère a le frère s'habille. Non, non. Non, on ne fait pas la jalousie. Ne permet pas que la jalousie entre dans ton cœur. C'est seulement lui qui mange bien. C'est seulement lui qui s'habille bien. C'est seulement lui. Pourquoi pas moi? Yo. Toi, c'est toi. Yazaye. Lui, c'est lui. C'est pela na oyo yo zali. Contente toi de ce que tu es. Amen. Amen. Tout ce que nous avons, nous sommes aux nous le recevons de Dieu. Toko yamba uta na nzambe. Nous le recevons de lui. Toko yamba uta na ye. Personne ne peut recevoir ce qui ciel est si ciel et Kabeli et l'autre. Si Dieu ne lui a pas donné. Alors n'ayez pas la jalousie. Si on a pesa, kako pesa yo. Demande le donateur, il va te donner. Amen. Amen. Et si on te donne, tu l'as reçu, tu l'as reçu oui. Il ne faut pas te glorifier. Mais c'est que l'homme est comme ça. Ou cela qu'as-tu fait pour avoir ça? On t'a donné seulement. Tu commences à. Ce n'est pas correct. À donner devant les autres. Humilie-toi. Mais qui dit ça? L'orgueil. L'olendo. Précède la chute. Y'a Kalibosona Kokoya. Et Lucifer. Père Lucifer. A comment il a orgueil. Était devenu orgueilleux. T'as la chute naïe. Regardez sa chute. Aïe Kokoya. Il est tombé. Jusqu'à être précipité du ciel. Qui n'en a qu'au bois comme Outalola. Babou qui est dans ma belle. On l'a précipité de la terre. On l'a précipité sur la terre. Chassé du ciel. A Bengana Makina Lola. Oui frère. Bonne bandeau. Il faut qu'on soit toujours humble. Il faut être toujours humble. Mais l'humilité. Qu'est-ce qu'on dit ça? Précède l'élévation. Il y a Kalibosso na komatsama. Ou bien la gloire. Don Kembo. Regardez. Botala. Lucifer. Lucifer. Ami, vimbi saki na lolendo. Il s'en est orgueillé. Et cet orgueil. Lolendo ana. A précédé sa chute. Il y a Kalibosso na koko ya na ye. Et il fut chassé du ciel. Précipité sur la terre. Voilà. C'est cela. Il est tombé. Même Jésus, pendant le jour de sa chair. Si tu lis dans Luc 10. Alors, je voyais Satan tomber du ciel. Satan, je l'ai vu, moi, Jésus. Je le voyais tomber du ciel. Au monde, voyez-vous.
Alors c'est comme ça que nous croyons. Beaucoup aujourd'hui tombent. À cause de l'orgueil. C'est pourquoi un enfant de Dieu a une nature différente. Il a la nature divine. Et la nature divine, c'est la nature d'humilité. Regardez Dieu. Glorieux qu'il est. Grand qu'il est. Et il s'est humilié lui-même. Et Dieu s'humilie. Il se révèle dans la simplicité. Dieu se révèle dans l'humilité. Il est grand, plus grand que tous. Il est glorieux. Mais il s'humilie lui-même. Il se révèle dans l'humilité. Dans la simplicité. C'est la nature de Dieu. Mais quelqu'un qui se lève. Voyez frère. N'a pas cette nature là. Et il tombera. Il chutera. Amen. 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 Nous ne disons pas. De quelqu'un que Dieu a élevé. Et il y a un frère qui m'a exhorté. Frère Lila, Deko Lila, vraiment Dieu t'a élevé. Ya solo penza nzamba tombolio. Omoni, voyez-vous. Mais yebaka que l'élévation. Mais sache que ko tomba ma précède la chute. Ya kalibosa na kokweya. Alors oh, qui m'a élevé? Nani atombolinga? Au bi Dieu. Alors bien nzamba. Mutu nani nzamba ya élevé yepe akwe. Qui est celui qui a élevé après il est tombé? La Bible ne dit pas ça. Bible est la côté. Bible dit celui qui s'élève. Bible le... Yé, ouais, pas celui que Dieu a élevé. Ça, c'est embrouiller les Écritures. Parce qu'il faut qu'on garde un esprit à jalousie. Parce qu'il faut faire attention à l'esprit de Dieu. Quel jour je me suis élevé. C'est Dieu qui fait ça. Élévation à Gonine. Masou à Nini Nasombi. Quel avion j'ai acheté. Oh, mon Nino, c'est qu'organiser mes barénions à frère Franck. Oh, tu vois comment tu organises même les barénions. Maintenant, je deviens qui? Même ceux qui n'étaient pas des prédicateurs ont organisé des réunions de frère Franck ici. Frère Tchiom, Bazaki, pasteur ou? Frère Tchiom, il était pasteur où? C'était maître avocat. Azaki maître avocat. Baro ya Kinshasa. Baro ici de Kinshasa. Baro de Kinshasa. Donc partout naibiti. Les gens vraiment, naibiti. Je ne sais pas. Donc le rôle à totale makakote ya weza élévation. Comme nous tenons ici prêcher, c'est une élévation. Élévation nakotanga na binona. Élévation, je vais vous lire cela. Batu baibiti. Les gens ne savent pas. Que élévation ezali. Il y a l'élévation. Élévation, non, et bien élévation. Qui connaît l'élévation? Dans l'église, non, et bien l'élévation. Dans l'église, qui connaît l'élévation? Moutou Songolo a élevé. Vous dire qu'un tel est élevé. Non. Qui? Non. Qui alors? Oui, frère. Koko ma mwana yanzam. Devenir. C'est ça l'élévation. Wanande kotombo lama. C'est ça l'élévation. Yo mwana ya moto. Toi, enfant d'homme. Nzambe a komisi yo mwana na ye. Je te fais son enfant. Quelle élévation. Kotombo la mayandenge nini. Amen. Batonde ba sosoli ntinate. C'est les gens qui n'ont pas compris le sens. Parce que lorsque toi tu deviens fanatique. Tu n'as pas de bien pour les serviteurs. Nzambe a zui biloko te po na basali. Dieu n'a pas de bien pour des serviteurs. Pour que ses serviteurs tout ce que Dieu possède, les héritiers Basangoli sont ses enfants. Des enfants de Dieu héritent même la vie de leur père, même la nature de leur père, la sainteté de leur père. Oh, quelle élévation! Tombe la main.
Awa na Jacques. Ici dans Jacques. Yoka. Écoutez. Komami boy. Il est écrit ceci. Chaque premier. Jacques Mukapoyambo. Na verset 9. Na mulonga libwa. Que le frère. Tikete ndeko. Ndeko ango. Tikete ndeko ango. Nakati assemblée. Dans l'assemblée. De conditions humbles. Na lo lenge ya komi kitisa. Ba condition na ye. Ces conditions. Ndenge azo vivre. Comment il vit. Ndenge azo lata. Comment il s'habille. Ana ba condition moko humble. Des conditions humbles. Que le frère de conditions humbles. Ndekete de Congo ya le lenge ya komikitisa. Se glorifie. Ami komisa. De son élévation. Na kotombo la manaye. Tala. Vous ne comprenez pas. Vous êtes calme. Vous êtes élevé. Si quelqu'un achetait une voiture, il est élevé. Vous êtes élevé. Vous êtes élevé. Restez calme. Vous êtes sur son latin. Vous êtes élevé. 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 Vous êtes un grand amen. Alors, des choses pareilles que nous devons pousser un grand amen. Si tu as des conditions humbles, si tu as des conditions humbles, très bien, très bien, très bien, nous sommes venus accompagner dans le monde. D'autres s'habillent. D'autres ont. Tu as des moyens de transport. Je n'en ai pas. Je monte sur des motos. Je monte sur des motos. Je monte sur des motos. Mais la Bible dit que le frère de conditions humbles se glorifie de son élévation. Maintenant son élévation ici, ça se trouve où? Il a des conditions humbles. Lui, il a des conditions humbles. Il va même dans sa maison. Salon même ya malamu ya koyamba ba frère exact. Un bon salon pour regardez ses conditions naïe. Regardez ses conditions. Et aujourd'hui, Pelelo, la richesse. Aujourd'hui. Est devenu dans des églises la preuve d'avoir Dieu. Et tel est le cas ensemble. Celui qui a de bien de ce monde, c'est celui qui a Dieu. C'est faux. C'est faux. Je dis encore, c'est faux. Le jeune riche avait des biens. Lazare était pauvre. Il n'avait absolument rien. Mais entre les deux, c'est Lazare qui avait Dieu. Est-ce que c'est clair? Les enfants d'Israël. Bana Israël. Le peuple de Dieu en Égypte n'avait rien. Ce sont des Égyptiens qui avaient tout. Mais regardez, entre eux, les Égyptiens et les Israéliens ou les Hébreux, les Hébreux avaient Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, nous venons de la voir il n'y a pas longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un temple. Pourquoi? Parce que nous avons construit une maison. Quand nous étions là sous des tentes, nous n'avions pas Dieu. Ils doutaient de nous que nous n'avons même pas la maison de Dieu. Et pourtant, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. Mais nous n'avons pas la maison de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes la maison de Dieu. Mikoloyo, ces jours-ci, injure wana bakati. Cet injure-là, ça s'est arrêté. Bazui quand même Nzambe. Ils ont eu quand même Dieu. Po bazui ndako ya Nzambe. Parce qu'ils ont la maison de Dieu. Oui, Nzambe ko Nzambe. Ça, ce n'est pas la maison de Dieu.
C'est pourquoi nous vivons en désordre. Parce que nous venons ici. C'est comme si tu vas chez ton oncle le voir. Bosololi. Nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. Et c'est comme ça là que nous venons ici. Déjà, il voit quand même Dieu aujourd'hui. Tu viens, tu causes avec lui. Après, il te dit, prions pour que nous puissions nous séparer. Et tu commences à lui dire au revoir, reste bien. Moi, je suis parti. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi prochain. Ah, le mercredi prochain. Je viendrai encore te voir. Les gens ne comprennent pas. Alors, toi et moi, nous ne pouvons pas être des ignorants jusqu'à ce niveau-là. Non, nous devons connaître les choses de la bonne manière. Telle que ça doit être connu. Voilà. C'est cela. On vient de parler au sujet des frères de condition humble. Même dans l'église, même dans notre église ici. Totondi assemblée za meke et tondi na ba frère ya condition humble. L'assemblée est pleine de frères de condition humble. Ici dans notre église. Ah on a quelle est la mission? Ce sont des frères. L'assemblée est constituée de frères de condition humble. Ya komi kiti sa. Et nous devons nous glorifier. Nous devons nous glorifier nous-mêmes. Dans le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? De notre élévation. Dieu nous a élevés. Que les riches. Au contraire, Zokane, au lieu de se glorifier de sa richesse, non, mais qui se glorifie de son humiliation, na komikitisa na ye, na kokitisa mana, na kokitisa mana ye. Pas de son humilité, son humiliation. Ok. Est-ce que vous l'avez bien? Est-ce que vous avez bien suivi? L'humiliation est ça sambuisama. Kosambuisama. L'humiliation. Tout tozo loba idée ya komikitisa. Nous n'allons pas bien comprendre. A humilier ngai na miso abat. Cela veut dire pas kitisinga donc a sambuisinga. Ah, il m'a humilié. Ngai na Samuel elo. J'étais humilié aujourd'hui. Yende a sambuisinga. C'est lui qui m'a humilié. C'est ça l'humiliation. Wana de kosambuisama. Est-ce que c'est clair? Est-ce humilité? Un riche n'est pas humble. C'est difficile de trouver un riche avec humilité. C'est difficile de trouver un riche avec humilité. Hein? Non. Il est toujours orgueilleux. Toi, un homme inutile. Tu ne peux pas me parler. Tu as quoi? Si vous voyez Nangaï, un homme vain, il oublie qu'il est un animal, une bête. Un animal qui ingère son ami. Même si vous allez au parc, vous êtes un léopard, c'est toujours un animal. Même lion, c'est toujours un animal. Amen. 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 Oui, frère. Yo bandeko. Le frère des conditions humbles. De quoi na lo lenge ya kosambisama. Ya komikitisa. Boni de kwa. Humble. Oui. Frère des conditions humbles. De quoi na lo lenge ya komikitisa. Se glorifie de son élévation. Ami komisa nantina ya kotombo la manaye. Mais le riche. Basimosu. Au contraire. Zokande.
lui aussi doit se glorifier. Pas singe, comme ça. Mais se glorifier de son humiliation. Voilà. C'est cela. Parce que un riche qui a govanda yena un pauvre, c'est une humiliation. Parce qu'un riche qui vient s'asseoir à côté d'un pauvre, c'est une riche humiliation. Riche à côté wa. Que le riche afanda à côté nangai. Il s'assied côte à côté avec moi. Na saboté yo. Ça veut dire que je t'ai saboté. Afanda nangai. Poso qui na meki kotanga comme na yo. Na comme mengam. Si c'était ton nom, j'aurais des problèmes. Donc frère, azomo nangai na assemblée on est pauvre. Le frère me voit que dans cette assemblée, nangai moko na zapo. Moi-même, je suis pauvre. Tu vois? Money. Money. Donc, c'est une humiliation. C'est quoi ça, Moussam? Humiliation. Ben, humilié, il est donc. On a Zoya, il vient. À Kotiawa, il a intéressé. Peu diacre à la qui siècle, n'est-ce pas? Le diacre lui a dit. Frère Ewan. Tout près de ses frères. Oh, oh, oh. Quelle humiliation! Donc, à Koloba, on ne m'a pas honoré. La Bible a pensé à le commuter. On m'a humilié. Lui aime le siège. Et bongi mérite. Ah, il mérite un siège. Non, un trône. Un trône. Mbende. Oh, il pèse à ma siège. Mais trône. Mais un trône. Voyez, frère. On y va de quoi. Au commun, on a même un apôtre à Zolobao. Tu vas voir même l'apôtre dire ici. Yoka. Écoutez. Chapitre 2. Mon capami balé. Il dit ceci. Allo biboy. Au chapitre 2. Mon capami balé. Allo biboy. Il dit ceci. Verset 1. Bolongoya. Mes frères. Bande konangai. Que votre foi, ou bien que la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, soit, ne l'ayez pas, ne l'ayez pas, disons Darby. Frère, Jacques 2, 1. Bande konangai. Bonjour Kate, Kondimango, Yankolo Nabiso Yesu Christo, Nkolo Ango Yankembo, Nakosanaka Kopono Pono Yabat. Nepte ce boulot. C'est-à-dire, c'est l'auxiliaire à avoir. L'auxiliaire à avoir. N'ayez pas. Bonjour Kate. Ayez. Kozoa. Ayons. Tozoa. Hey. Zoa. Mais n'ayez pas. N'ayons pas. Tozoa te. La foi de notre Seigneur. Bonibango yankolo nabiso. Jésus-Christ. Jésus Christ. Le Seigneur de gloire. A fait ça. Acception de personne. Kopona pona yabatu. Celui qui a la foi, qui a été transmise, une fois pour toutes au sein, ce n'est pas notre foi à nous, c'est la foi de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a donné comme un don. Et si vous l'avez, ne l'ayez pas en faisant acception de personne. Si quoi yoka exception de personne en moi. Maintenant écoutez l'exception des personnes. Na kotanga kotoy. Verset 1 nandé dalinga inatanga poto soso. Ce n'est pas notre foi ici ou mutandimi te pas wana. C'est la foi de notre Seigneur Jésus. Qui est le don de Dieu. Oh, y'a biso moko ogugo pona bat. Mais oh, y'a notre Seigneur Jésus-Christ qui a pécio. Oh, y'a bandaka, pia souki saka. Donne lui l'hôtel. Oh, y'a kabela kabaponami. Donne, il donne. Soko sozi yango. Dit-il là.
La foi qui a été transmise au sein, une fois pour tout, la vraie foi que nous combattons pour la garder, combat le bon combat de la foi. Voyez frère, la foi selon les Écritures, comme le disent les Écritures, cette foi-là royale qui est appelée la foi d'Abraham. Si vous l'avez, ne l'ayez pas en faisant exception des personnes. Non. Supposez. Toloba. En effet. Na bongo. Qu'il entre dans votre assemblée. Quelqu'un entre dans notre assemblée. Un homme Motumoko avec un anneau d'or na lopete moko ya wolo et un habit magnifique na elamba moko ya kitoko koleka ya kitoko koleka ya koti. Il entre après ye après lui c'est manaye après ye c'est manaye et qu'il y entre aussi pe yingeli pe na koyanga nango. Un pauvre misérablement vêtu. Mobola moko alati penza penza na ndenga ya bobola. Na mawanyoso est misérable. Misérablement vêtu. Misérablement vêtu. Na mawanyoso. Soko taina e mulato ya alati. Si tu regardes son vêtement. Na yebite soko za polo. Soko singlet. Singlet. Soko elamba ya ndenga nini. Je sais pas quelle sorte d'habit. Et tous deux entrent dans l'assemblée. Et la Bible dit, si, soko, tournant vos regards, vers celui qui porte l'habit magnifique, et pas yayo ya late lamba ya kitoko koleka, vous lui dites, bolobi na ye, toi, yo, assieds-toi ici. Vandawa. À cette place d'honneur. Na isiko ya lokumu. Mposa la. Oza li humilié te. Pour que tu ne sois pas humilié. Yo ya ko fan de siko ya lokumu. Toi viens t'asseoir ici à cette place d'honneur. Et si vous dites. Esoko bolobi. En tournant de nouveau. Regarde. Akobalu sakali susumiso. Au pauvre. Na mobola. Et vous lui dites. Toi bolobi na ye. Toi. Yo. Tiens-toi là debout. Yo, t'es ma kuna. Tenez, kuna. Ah, kuna. Oui, tu as entendu? Pas à côté nanda quoi. Ce n'est pas il entre dans la maison. Mais dans l'assemblée. Kasi kati na koyangana. C'est ça. Zabongo. Azulo belate bapakan. Il n'est pas le. Ah, waza kokomela bandimi. Baponami banansan. Osez parce que nous on est au sol à ma peine dans cette église. Ces choses peuvent aussi se faire dans l'église. C'est là où je veux que vous voyez, vous regardiez et voir quelque chose. Botala pe bomone logo moko. Ce qu'il venait de dire là-bas. Il y a riche à se glorifier dans l'humiliation naïe. Il soit glorifié dans son humiliation. Pourquoi vous dites tout simplement à pauvre et pas à riche? Pourquoi dites-vous seulement aux pauvres, pas aux riches? Il faut parler aux riches. Toi, tiens-toi là-bas. Pauvre, yo vanda. Toi, pauvre, assis-toi ici. Même si tu es misérablement vêtu, assis-toi. C'est faisant exception des personnes. C'est en faisant exception des personnes. Non, pas en faisant. En faisant cela, en vous faites l'exception des personnes. Vous allez comprendre pour n'importe. Vous voyez. Bon moni. Maman, elles ont respect. Elles ont bon. Oh, c'est expert, c'est ceci. Non. Ici, dans l'assemblée. Ah, ouais, quand tu n'as qu'au yangan. Vous en avez pété combien? Que tu aies, je ne sais pas. Bah, si, bah, quitte. On a déjà passé le siège. Si tu viens, assieds-toi dans le siège là. Va lui chercher notre Yenani. Qui est-il? Ayena assemblée. Il est venu dans l'assemblée.
Qu'il s'assoie. Confondi ça y est, awa. Le faire à la fin. On y ça y est, quitte à l'okoum. Au lieu de lui donner un siège d'honneur. Ah, et Zanini Ponaï. C'est quoi pour lui? Et Zanini. C'est ça l'humiliation. C'est ça l'humiliation. Et soki yoza riche. Et si toi tu es riche. Olati des habits magnifiques. Habillé. Ofandiawa. Tu es assis ici. Glorifie-toi. Omikomisa. De ton humiliation. Na kosambisa mana yo. C'est Dieu qui t'humilie. Zamenda kosambisa yo. C'est le même Dieu qui a humilié les enfants d'Israël. Zalenzamba ngomoko akitsa kibana Israël. Asambisa kibana Israël. Tu es moi approprié. Oui. Regardez. Zoa Deutéronome. Prends Deutéronome. Omona ndenzambe. Liboto ya ye ya pona. Denge a humilia kango. Asambwisa kango. Comment il a humilié. Deutéronome 8. Deutéronome mwambe. Verset à l'ibus. Le premier verset. Vous observerez. Bon combat là. Et vous mettrez en pratique. Et bon tchaka tchina musala. Tous les commandements. Bala commence. Que je vous prescris aujourd'hui. Maïna koko bela bino lelo. Et cela. Payango. Afin que vous viviez. Nantine ete bobika. Que vous multipliez. Ete bon fuluka. Et que vous entriez en possession du pays que Yahvé agirait de donner à vos pères. Oh Yahvé, à la paix qui compense à la batata na bino. Maintenant, souviens-toi. Ça c'est plus mécanisé là. De tout le chemin que Yahvé ton Dieu. Dans cela, nous oh Yahvé, zamena yo. T'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Salisakio. Asambisakio. Katina bilanga. Kamaminei. 40. Tukuminei. Katina lisobe. Voilà. Pourquoi? Ponanin. L'Éternel ton Dieu. Yawezamana yo. T'a fait faire pendant ces 40 années. Asambisakio. Katina mibu. Tukuminei. Dans le désert. Là, tu n'as tout ce qui t'a sur le chemin. Nanzela. C'était pourquoi. Ponanin. Afin de t'humilier. Nantine yako sambu isayo. Voilà. C'est cela. Aujourd'hui. Hello. Je ne dis pas que les croyants, les chrétiens. Là, le bataille, t'es bandit, ne sont plus humbles. Bazali sous ya komiki tisate. C'est pas ce que j'ai dit. Non, Isaïe yanguna ko lobaté. Mais ils ne veulent pas être humiliés. C'est pas lingité, t'es pas ça. Ils ne supportent pas l'humiliation. Bango ba ikela mpi ko te ko sambisama. Voilà. C'est cela. Ba linga ko sambisama te. Ils veulent pas être humiliés. Pourquoi nous sommes sangana mis sur batou boy? Pourquoi tu m'humilies devant les gens? Pourquoi nous sommes sangana mis sur bana? Pourquoi tu m'humilies devant les gens? Pourquoi nous sommes sangana mis sur mobile nanga? Mon mari. Nous sommes sangana mis sur ba frère. Devant les frères. Donc tu vas dire qu'on s'emboîte. Les gens ne veulent pas être humiliés. Bah boy qu'on s'emboîte. Il les refuse d'être humilié. Mais Zambé. Mais Dieu. À quoi qu'on l'irait de à s'emboîter? Il peut vouloir t'humilier. Ici, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même qui veut t'humilier. Il veut t'humilier. Est-ce que c'est clair? Vous savez ces choses, si tu ne les sais pas, tu vas être surpris. Comment? Un homme comme moi. Na niveau nanga. À mon niveau. Na zali humilié qui nous na niveau ya boyé. Que je sois humilié jusqu'à cette niveau. Yo zanani. Qui es-tu toi? Niveau na yo, niveau na onin. Ton niveau, quel est ton niveau? Niveau nini yo ou atteindre. Quel est le niveau que tu as atteint? Niveau nini. Quel niveau? Niveau pour le diplôme. Le niveau pour le diplôme. Niveau pour la moussala. Niveau pour le travail. Niveau pour la biramba. Niveau nini. Niveau pour les habits. Quel niveau? Ah, on ne sait pas ce
Souviens-toi de tout le chemin. Que l'Éternel ton Dieu t'a fait. Pendant ces 40 années dans le désert. Maintenant, souviens-toi de cela. C'est Yahvé qui t'a fait faire cela. Voilà. C'est cela. Mais quel était son but? Afin de t'humilier. Et de t'éprouver. Qu'il m'éprouve? Parce qu'est-ce qu'il cherche à moi? Mais pour savoir. Quelles étaient les dispositions de ton cœur? Pour savoir si tu garderais ou non ces commandements. Voilà. C'est cela. Yahvé voulait savoir les dispositions de ton cœur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis Yahvé. Je ne change pas. Ce qui a été fait avec les Hébreux, il le fera aussi parce qu'il ne change pas. Frère, il le fera aussi pour toi. Ma soeur, il le fera aussi pour toi. Pour t'éprouver. Pour être à la disposition de ton cœur. Ce qu'on combat, c'est la malaconaïe, côté. Ou non, parce que ce que c'est ça facile. Parce que les choses sont faciles. Pour toi, battre la catholique. Un homme garde les conseils. C'est difficile à tout ça. C'est difficile d'obéir. Il va abandonner ce chemin. Amen. Frère Antoine, que Dieu te bénisse. Depuis Naïe, Namoni, on va aller loin. D'accord. Ok. Voyez, c'est bon. Ça. C'est bon. Donc, Oyoana, et ça, Namoutou, Moko, Longolamiti. Ça, il n'y a personne qui est accepté. Ojala Moti. Que tu sois prédicateur. Ojala Mpaka Yeklesia. Que tu sois ancien de l'Église. Que tu sois diacono. Ojala Moyem. Que tu sois chante. Ojala Sœur en Christ. Que tu sois frère en Christ. Sœur ou frère. Moko, Longolamiti. Personne n'est accepté ici. Si Dieu voudrait, t'humilier, il va t'humilier. Dieu peut t'humilier, des fois on te chasse de la maison. Tu n'as où passer. Il t'a humilié. Celui qui a permis ça, c'est Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un peu comme ça, Tu sépares les enfants. Dieu peut faire ça. Amen. Est-ce que c'est clair? Je demande est-ce que c'est clair? Que le Saint-Esprit en tant qu'enseignant personnel, pour enseigner à chacun de nous. Parce que chaque fois, nous demandons pourquoi seulement moi? Je suis humilié comme ça, pourquoi? Est-ce que nous n'avons pas été humiliés comme le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a été humilié. Pour toi et pour moi. Où est le mal?
Nous ne voulons pas être humiliés. Nous voulons seulement la gloire. Je ne dis pas, nous ne voulons pas être humiliés. Nous ne voulons pas l'humiliation. Parce que nous ne voulons pas. Et là, ils ont dépendre de nous. Ce ne dépend pas de nous. Ils allaient côté la bisoté. Cela dépend de Dieu. Regardez David. David. Comment il a été. Il a passé par l'humiliation. On l'a même détrôné. Par son propre fils. Son fils a couché même. Avec ses belles-mères. Ses belles-mères. C'est-à-dire les femmes de son père. À la vie de tout le monde. C'était l'humiliation. David a son tambola, donc on l'a fugitif. David a son yenga yenga moto, a son kima kima. Il était là comme un fugitif. Parce qu'on n'avait même rien à yéter. On ne voulait même pas le recevoir. Vous voyez bien, même un jour. Mobali à Abigail. Le mari. Dingue à Kangera Gaye. Comment il l'a grondé. Il l'a grondé. À Kangera Gaye. Uyebiata mo Benjamin newana abanaye kobokere putulu nasima. Kwa sababu c'est Benjamin. Azu poussière ma belezo na ndaye. Poussière. L'homme du sang. Moti ya makia. Ya tiwe Saul. Oya bomaka. Yo panisa kinini. Ke pastu. Wolola ye, wolola ye, yewa na moni okopi ko telengana. Okomi mitelengano. Tu es devenu fugitif. Et son neveu qui était général. Et son neveu qui était général. Joab. Joab. Il a sorti les pieds. Un petit chien comme ça, derrière mon Seigneur, en train de l'injurier. Pourquoi ne pas le décapiter? David a bégayé. David il a interdit. Comment est-ce que bon tu as pas de tuer cette chose. Tu ne sais pas si la chose vient de Dieu. Dieu me doit permettre. Alinguin a passé une humiliation. Il veut que je passe par l'humiliation. Elle a supporté Yango. Que je puisse supporter cela. Et tant que Yango mon angai que nous garder la parole. Quand il verra que je garde toujours la parole. Nous garder le commandement. Toujours le commandement. Disposition et monter mon angai. La disposition de mon angai. Que kangami kaka naie. Que c'est attaché seulement. Souka pour rétablir angai. Il va me rétablir. N'a pas droit angai. N'a pas droit. Et David après tout cela, il a été rétabli. C'est ça. Et il n'y a rien qui arrive à un enfant de Dieu sans que Dieu le sache. Et que Dieu permette que cela lui arrive. C'est Dieu. Tout cela vient de Dieu. Pour nous humilier. Pour nous humilier. Pas nécessaire, Bazaki, na chemin. Oh, Baba, na yko tambola po ke na kana. Mais ce que nous avons, c'est le chemin. Nous aussi, nous sommes sur le chemin. Ah, ouais, tous en anjela, tu comité. Nous sommes le chemin, nous sommes pas pour arriver. Nous sommes en comité. Personne n'est arrivé. Tous en voyage. Nous sommes en voyage. Alors, il faut m'accabouer comme la bisou dans le voyage. Il faut que les choses nous arrivent dans le voyage. Tu verras ceux qui sont en train de se vainqueurs. Ils ont appelé des vainqueurs. Bah vainqueur et en haut. C'est vainqueur. Bazaki combien? C'était combien? Combien de vainqueurs? Combien de vainqueurs? Deux. Deux. Mibale. Banjo bakoyaki lomiko. Tous. Bakoyaki est brevetté. Couleur na bango et monana. L'air couleur. Kaka mibale Josué na Caleb. Josué Caleb. C'est ça. Zabongo. Nous avons besoin de permettre deux fois. Dieu deux fois peut permettre. Tu es resté seulement avec un pagne. Oh, bah le bagarre n'a qu'il manque. Tout calambela. Tout calambela. Tout tiango. Tout. Tu laves ça. Au caoukisi, au fandi nan, ouana mutakala gozila. Lambela donc, vous avez le caouk. Tu laves, tu attends. Choke et caouke. Après que tu as dit, tu prends ça, tu peux. Il peut permettre ça. A quoi qu'on pèse en zela na yango. Pour t'humilier. On a quoi ça, Moussaïo? Ce qui permet de l'envoyer, c'est pour bon malibal. Si le permet, c'est pour mettre mon malibal. Oh, moi, je ne vais pas encore quoi dire. Je vais devenir pauvre. C'est pas comme ça. Les abonnés.
Le véritable amour est connu dans quel temps? Du temps de détresse. Voyez-vous? Se reconnaître dans des temps difficiles. Souffrance. Le temps de souffrance. Même moi, je suis à l'inginga. Même mon père est à l'inginga. C'est toi-même. Attends, mon salut est à l'inginga. Même c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Et tous les gens qui ont été belés, nous avons beaucoup de frères. Parce que nous avons joué. Lorsque tu as beaucoup d'amis. Tout homme veut être ton ami. Et donc, ce qu'on cherche, c'est un peu de bénédiction que tu as eu là. Ce n'est pas toi. Et c'est certainement qu'ils vont te fuir. Ils vont te fuir. Un jour. Moko le moko. Lorsque j'habitais. C'était témoignage pour l'édification. Et ça, il est à Il a fallu que j'aille visiter un frère. Alors, le frère est Adam. Alors, le frère Adam, notre Adam chauffeur. Il m'a envoyé son chauffeur dans un véhicule. Par un véhicule. Pour qu'il aille me déposer là-bas. Maintenant, lorsque nous sommes sortis de la maison, le frère était célibataire. De Kwazala qui est mon Zemba. La pluie aussi a commencé. Nous sommes en train de faire des choses. Et puis, frère Ozawapi, Ce frère, il venait avec son ami, neveu propre, ancien PDG à Régie des eaux, son neveu propre. Son neveu propre. Il était aussi un homme d'affaires. Il avait des moyens. Ils étaient à deux. Il a dit, avec des moyens qu'il a. Même ndako naye, même le pango naye, même sa maison, bongo naye, ainsi de suite. Argent, tout. Mais pasteur, akei kotala mundimi moko. Est allé visiter un croyant. Donc mundimi wana zana même niveau que mon ami. C'est quoi? Ou bien allez-y na ba moyen. Quand il le dépasse en moyen. Connaissant des pasteurs du Congo, spécialement ceux de Kinshasa. Ba randaka visite kaka bazui. Une rende visite. Ça c'est son ami qui témoigne. Ndé moninga na yaza ko pesa litatoni. Alobeli nanu yete adobi. Wana zaki na motema naye. C'est encore dans son cœur. Ils ont roulé, roulé. Il lui a dit, il est de ce côté. Dans quelle maison?
Il a dit qu'on le suive seulement. Ti frère, mi frère, yakaboye, le kaboye. Alors les frères, le kaboye, passe par là. Ti tomoni bisotoza nakati ya mwanda ku mukewana. Nous avons vu le jipe ya frère. Nous avons vu la jipe. Ngana petit frère bango na bango. Moi j'ai frère. Frère Yohana. Ils sont là, les frères là. Alors, frère a stationné jeep. Le frère a stationné là. Osa wapi? Tu es où? Pasteur, osa wapi? Nazali awa. Moi je suis. Wapi? Où alors? Azo mone sika na koko zalate. Alors, il voyait là où je ne pouvais pas être. Alors, finalement, moi-même, je devrais sortir. Frère, je suis ici. Frère Akiti. Le frère descendit. De quoi me mêler parapluie. Le frère lui a amené le parapluie. Il est descendu, il est venu. Son ami s'est étonné. Il lui a dit que. Moninga. Ami. Ne quitte pas dans cette église. Deux. Mibane. Kolungwa na église wanade. Ne quitte pas dans cette église. Deux. De cette église. Ah, wotana ikelesi wana. Kolungwa kolungwa na église wanade. Ne quitte pas de cette église. Mutuana. Cet homme. Ah, mutuanzam. C'est un homme de Dieu. Mutuana za mutuanzam. Cet homme là. Mokingeli na bino. Mais toi pas samba na samberaka. Ah, moi je prie, j'adore. Jamais de pasteur de Kinshasa. Jamais de Kinshasa. Peut venir. Un homme comme ça. Avant de n'en dire que le roi n'a pas dit. Il y a des gens qui ont été là-bas. Il y a des gens qui ont été là-bas. C'est un homme de Dieu. Yoawa ozolu ka obima na losam. Toi ici tu cherches à quitter l'église. Mais quitte à toi. Bima. So. Jamais agolera. Ah Dieu. Oh. Dieu. Zab. Gabriel Atunye. Pourquoi Gabriel tu lui a demandé. Pourquoi n'y agolera. Bon, si on l'a abimé dans l'assemblée. Parce qu'un tel est sorti de l'assemblée. Tu ne comprends rien. Oh, que ça, donc, et donc, on s'en y agolera dans l'assemblée. Oye bakantina. C'est que tu viens chercher l'assemblée, tu ne connais même pas la raison. On ne vient pas ici pour louer n'importe quoi. On vient pour la vie éternelle. Pour être enlevé. Et ce que nous cherchons, c'est la possibilité que Dieu nous donne. La possibilité, c'est quoi? C'est sa parole. C'est la seule possibilité que c'est sa parole. Quand on nous donne la pure parole, la vraie parole, c'est la grâce de Dieu pour nous. Vous voyez? Et ce monsieur, je ne sais pas si le frère était venu aujourd'hui. Où il a voyagé? Vous voyez? Et le frère en question, n'a rien à visiter, c'est le frère Pâques. Et le frère que je suis allé visiter, c'est le frère Pâques. Et le frère qui me suivait, c'est le frère Michel Okoto. De quoi il y a ça? De quoi Michel Okoto? Bon, bomba, ma bé. Pour vérifier. Parce qu'il faut vérifier. Pâques en déabima. C'est Pâques qui était sorti. Parce qu'il y a ça que comme on a abandonné. Parce qu'il ne voyait pas dedans, il est sorti. Alors les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Nous cherchons la parole de Dieu. Quand on cherche Dieu, Dieu est la parole. Amen. 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 C'est ça, frère. Et cet homme me respecte toujours. L'une ou l'un de mes enfants a essayé d'aller au Tangana, moi n'en ai moko. Ah, l'un ou l'une de mes enfants étudie avec un de ses enfants. Ah, mais naibi, pour te rendre une fête, moko boy. Vas-y, je le connais. Nous étions. Comment est-ce que moi, un frère Lokoto? Voyez ce que l'enfant. Abali, moi, un frère. C'est marié, l'enfant de frère ici. Un frère Chita. Frère Chita. Na fête wa. Dans cette fête. Moninga ne wana ya. Son ami là était venu. Et quand il m'a vu, il était content. Donc, Dieu
peut nous parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les enfants de Dieu. Ils ont leur nature. Langage. Ils ont leur langage. Comportement. Ils ont leur comportement. Et bah, langage. Ils sont connus par le langage. Cette femme. Cette femme. Pierre. Pierre, comment ça dit? Ton langage, t'as acquis. Tu es l'un de ces hommes-là. Tu dis quoi? Ta langage. Et le lui-même, ils ont ton langage montre que tu es l'un des. C'est comme ça des enfants, des filles de Dieu. Ils sont nature, comme ça. Ils ont la vie. Ils ont la vie. Ils ont des actions. Ils ont aussi leur réaction. Et vous pouvez les reconnaître. Et vous pouvez les reconnaître. Quand on a un petit signe, ces petits signes-là. Combien parmi nous ici, combien parmi nous les appelle des pasteurs? Sans même prêcher. Seulement par la conduite. Combien on les appelle ici des sœurs? Yo, comme ma sœur. Toi, tu es devenu ma sœur. Seulement par l'habillement. Voyez, frère. Moi, je suis Nzambe asungabis. Que Dieu nous aide. Iroba Nzambe lizakito. La parole de Dieu merveilleuse. C'est ça, bien-aimé. Les alikongo balinga mbandeko. Biso tozon demander ndenge oyo wana. C'est comme ça que nous croyons. Eza lolenge mususute. Pas autrement. Et Dieu dit pour terminer la pensée. Voilà pour ceux qui se le connaissent. Tu dois te souvenir. Osengele omi kanisela. De ce que l'Éternel ton Dieu. Na yango ya Nzambe na yo. Ta fait. Asala kio. Il t'a fait pour que tu fasses quelque chose au roi au salaté. Asala kio pour faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Nandenge na yo moko au roi au sala yangote. De toi-même tu ne pouvais pas le faire. Mais lui t'a fait faire. Asiye asala kio. Quoi? Il dit. Pendant. Ces 40 années. Dans le désert. Kati na lisobe. Et tout cela. Afin de t'humilier. Nantina yako sambisa yo. Et de t'éprouver pour savoir tu es l'omniscient. Il a permis des choses comme Israël pour qu'il sache. Mais il est l'omniscient. Il y savait dès le commencement avant même la fondation du monde. Mais malgré tout cela, je dois lui faire ces choses. Pour que je sache. Comme ça, quand je ferai, comment sera sa réaction? Si je l'ai condamné, il dira que j'ai fait injustice. Dans ces choses. Je pouvais croire. Vous voyez, Dieu l'omniscient. Quelqu'un Alinga qu'on se justifier, Alinga qu'on wangana. Fait Botama. Alors, soit né. Cola. Grandi.
Et va lui prêcher. Entre dans l'assemblée. Écoute les prédications. Comme ça, tu sauras qui tu es. Okoyeba nani yozali porque ce n'était na lolenga na yeba yo avant la fondation du monde. Okobiyeba ka ndinyo wana okobima kaka eloko na si na yeba yo wana. Okozala kaka yango. Ce sera seulement ça. Na tango no ko wanga na te. Voilà, tu vas pas nier. Amen. Voilà, frères et sœurs. Ta bande ko basi mba. C'est ça la parole. De notre Dieu. Dieu est bon. Zamba zamba lamu. Il nous aime. Ah, kolinga biso. Et il dit. Père Lobi. C'était pour savoir. Ezaki pona koyeba. Quelles étaient les dispositions de ton cœur? Lolenga motema na yo. Vous voyez? Bomoni. Et si tu garderais ou non ces commandements? C'est moi qui parle. C'est le pasteur qui exhorte l'assemblée. Comme maintenant, mais. Les choses que tu as arrivées là. C'est Yahweh Dieu. Le Seigneur Jésus. Il a permis. Il voulait savoir. Il a disposition à motema na yo. Il a gardé motema. Lui voit le cœur. Motema na yo est comme ça. Que fera ton cœur? Que dira-t-il dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas décider? Dans ces choses-là, t'arriveront. Amen. Amen. Mbeli nganya yeba soko yo okobatela. Il voulait savoir si tu garderais. Tote. Ou non. Malako na ye. Ces commandements. Et pour nous battre la malako na ye. Pour garder ces commandements. Il faut linga ye. Il faut que tu l'aimes. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Battre la malako na ngai. Celui qui a mes commandements. Et voyez aussi malako na ngai. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Wana de alingi ngai. Et le vrai amour. Et qu'on est dans des temps difficiles. Moi, si la femme obéissante. Et pas un mobile et son mari. Et qu'on est au moment difficile. Ce n'est pas pour rien. Moi, si le col la Sarah. Ce n'est pas pour rien la femme telle que Sarah. A comment modèle et à ma femme. Est devenu modèle de femme. Croyante. Bandimi, basse bandimi. Pourquoi? Parce que elle a été tentée. Elle a été éprouvée. Bouyebi Abraham, comment il a souffert? Vous connaissez comment Abraham a souffert. Abraham a souffert. Et il n'était pas seul. Mais il était toujours avec sa femme Sarah. Et Sarah ne l'a jamais méprisé. La crise économique. Kozanga. Crise économique. Et comment est-ce qu'il y a Abraham? Est arrivé du temps d'Abraham. Abraham a fui Cana. Abraham a quitté Cana. Il est allé en Égypte. Il a quitté fuya la famille. Il a quitté Kanzala. Azaki seul était. Il n'était pas seul. Toujours avec Sarah. Kakana Sarah. Mais on va dire que Sarah a saboté pendant la crise. Sarah a saboté à cause de la crise. Jusqu'à Abraham. Qui nous était Abraham? Abraham. Nanjala et l'oba frère Branham. Voilà, fin comment dit frère Branham. A dit que moi aussi, n'aïa comme adultère. Là, il sait que sa femme soit adultère. Oh, dès que combien wa? Comme nous sommes arrivés ici. Pharaon va t'envier. Et le roi Goloula yo, posa kitoko. Est-ce que tu es belle? Bako bomangai. On va me tuer. Loba dit, je suis ton grand-père. Je suis ton grand-père. Tu es ma sœur. Voyez. Omoni. Nini. Quoi? Ngai. Moi. Na loba nini. Que je dise quoi? Si on vient t'enlever, accepte seulement. Kende na yo. Vas-y. Voyez frère. Moni bandeko. C'est ça l'obéissance. Wana ndebo tosi. C'est ça l'obéissance. C'est ça la soumission. Wanandeko botosi penza.
Mais la soumission de telles choses, moi je vais te répondre. Tout ce qui a été écrit d'avant, là a été pour notre esprit. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu. Où est mon problème? Mon problème, c'est de prêcher, de répéter ce que Dieu a déjà écrit. Pointre. Et ton problème, c'est de croire et de mettre cela en pratique. Amen. Voyez-vous. C'est ça l'obéissance. Bien aimé dans le Seigneur. Et il a appelé Ezaïkaka, appelé ça Abraham à surnoter. Sobriquet. Ce n'est pas qu'il a donné à Abraham un sobriquet. Comme aujourd'hui. Ce serait pas par amour. Un amour flatteur. Bolingo moko ya kopakula mafuta. Papa. Tata. On appelle mama. Toi aussi mama. Azobenga moi aussi mama. Il appelle la femme mama. Moi aussi on a papa. La femme aussi là-bas papa. Voilà, là non pas chez yete. Ça parce qu'il n'y a pas encore de difficulté. Mais il y a Sarah. Mais ce n'est pas du temps de Sarah. Quand il y a Sarah, ils ont le cas de Sarah, c'était pas comme ça. Quand il y a mon Seigneur. Lorsqu'il l'appelait mon Seigneur. Ils ont un peu solo. C'est véritablement. Mais au monde, il y a un comportement. Mais tu vois aussi que Sarah est soumise. Elle était soumise. Quand il y a un peu de temps. Pas seulement l'appeler. Mais ils ont tout ça. Mais elle obéissait. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça. Bien aimé. Notre Dieu, il est le bon Dieu. Croyons. L'humiliation. Et nous-mêmes? Tous humiliés. Que nous puissions nous humilier. Tous abaisser. Que nous puissions nous abaisser. Pour autant convenable, Zambe a élevé bis. Que Dieu puisse nous élever. Et déjà, Kala. Il nous a élevés. En faisant de nous qui étions enfants d'hommes. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est une élévation. Une haute vocation. Un saint appel. Amen. Amen. Et nous le sommes. Oui. Iyo. Et de cette manière-là. Il dit, verset 3. Alors, bien, mon amisat. Il t'a humilié. Assemblée. Il, c'est Dieu. Il est pasteur, il est en assemblée. Pasteur, Dieu a son assemblée. Lélo. Aujourd'hui. Chok moté. C'est un prédicateur. Frère Donat, ton frère Bossé. Frère Donat, frère. Aïe, qu'on l'aime, dis ça, yon, et on a mieux aussi. Vous comme ça, mais vous vous irritez. Oh, l'irène, dis ça. Oh, tu... c'est quel prédicateur? Moutoulakat, il n'a pas su boyozo, il y a Dieu t'a humilié. Dans la souffrance comme ça, on s'en va. On les a confinés, ou bien maté. Ça, c'est de l'injure ou ce sont des prédications? C'est une prédication. C'est une prédication. Pour Moïse, athée. Parce que Moïse a prêché. Il t'a humilié. Assemble ça qui y a. Il t'a fait souffrir de la faim. Anyokola ki yonanza. Vous savez que Dieu? Aka onyokola yonanza. Il peut te faire souffrir de la faim. Bon, il est le même. Anyokola ka bana Israël nanza. Il peut souffrir les enfants d'Israël de la faim. Bon, nanini yote. Pourquoi pas toi? Aka onyokola pe yo. Il va te faire souffrir aussi. Sokase bele njokola yonanza na onyokola yonanza. Il peut te faire souffrir de la faim. Banda tongo atero kokoli. Depuis le matin, rien à manger. Na yona bana bozota. Et toi les enfants, vous vous regardez. Tu dis à la femme, donne-moi de l'eau. T'as la paix. Et regarde. Azoro papa n'a pas sa image. Yo, c'est que je donne de l'eau. Yo, osan ali boma. Toi, vraiment, tu es fou quoi? Yo, donne-moi de l'eau. Toi, tu as pas la paix. Yo, tinda, y'a pas sa image. C'est l'enfant qui te donne de l'eau. Voyez-vous? L'amour est connu dans les temps difficiles. Sarah, lorsqu'elle est partie, bah, enlevé, on l'a enlevée. Elle est dans la maison du roi.
Roi, est-ce une quantième femme? Roi, là, mais c'est pas quantième femme. Nzambe abimé li roi. Dieu est apparu au roi. Abete Egypte, soki na nini, na malade, soki na stérilité. Il a frappé de l'Egypte. Alors, je moi, je suis nazé, moi, c'est cette femme-là, c'est la femme d'autrui, toi. Amen. Abraham. Il a appelé Abraham. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi nous sommes là, Kinga? Abraham a dit bon. Abraham a dit ah. Ah, femme, nangai. C'est ma femme. Azape petite sœur. C'est aussi ma petite sœur. Donc toi, n'as même père. Nous avons avec mais elle même père, ma mère. Mais des mères différentes. Yangoana. C'est là. Na banga kine ko bang. J'ai eu seulement père. Na mona ki que est-ce que babanga kanzambe? J'ai vu est-ce que ici on craint Dieu? Parce que la femme d'autrui, on ne la prend pas. Lorsqu'on saura que c'est ma femme, et pour bazoye, il faut babo manga. Pour qu'on la prenne, on doit premièrement me tuer. C'est alors qu'on va épargner vie nanga. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai perdu ma vie. C'est moi qui l'ai envoyé. Et je crois pour la deuxième fois. Je crois pour la deuxième fois. Il a fait aussi. Nagera. Agera. Et pas à Abimelech. Abimelech. D'abord, et pas à Pharaon. D'abord, ensuite, et pas à Abimelech. Ensuite, à Zongeli Angolizu. Kaka Nanzala. Mais moi, si à Boya Yete Nanzala. Moi, si à Tika Yete Nanzala. Moi, si attaché Kana Mobali Naï. La femme attachée toujours à son mari. Mais toujours obéissant. Et toujours obéissant. Toujours soumise à Abraham. Jusqu'à l'appel à mon Seigneur. Amen. Amen. Et regardez ce péché-là. Laisse-moi. Il y a moi le Koutawana à moitié. D'un mensonge à moitié. Ah, voilà. Parce que Zaki, une vérité, et un mensonge. Mélangé à la fois. Et Sangisamaki, Nambalamok. Il a dit la vérité et il a aussi dit le mensonge. Mensonge, c'est-à-dire, Aza, moi, je suis Nangado. Le Kouta, c'est que ce n'est pas ma femme. Vérité, c'est-à-dire, Aza petite sœur. C'est ma petite sœur. Donc, la petite sœur, alors, cette petite sœur, Aza qui petite sœur, femme. Était aussi femme. Pour la vérité entière. Pour dire la vérité. Il a fallu à l'obakaka, ma femme, qui était d'abord ma petite sœur, et ensuite elle est devenue ma femme. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu, qui connaît le cœur, a su qu'il craignait. Ayebisi même Abimelech, Abimelech ayebisi, ayebisi nzambe. Yo, ozo pesa ngai faute. Toi tu me. Mais ye mokonde ayebisi ngai na ye na mosiam. Mais c'est lui-même qui m'a dit, lui est la femme. Mais baza bande ko ngai na sani. Ce sont frères et sœurs. Na sani. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a menti, non? À quoi ça qu'il a dit? J'ai mal oublié. Oui, je sais. Il a dit, naebi. Il t'a menti. À quoi ça qu'il y a? Mais il est mon prophète. Kasaza musa ko linangai. Il faut l'appeler. Et c'est qu'il a bien gagné. Rends-lui sa femme. Bozong, c'est, les mois, c'est ça la restitution. On a des bozong, ça. Pas une autre femme. Moi, c'est ne lui remplacez pas la femme. Mais c'est la même femme. Au rendre bozong, c'est les yango. Remets-la. Et il priera pour toi. Bonne, la pona, yo. Malgré toi, tu ne m'as point. Même si tu priais, ce menteur-là, il est mon prophète. S'il prie pour toi, j'ai fait l'exaucer. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce pardonne. La grâce justifie. La grâce oublie. Mais il ne faut pas comme là dans le péché afin que la grâce abonde. Il ne faut pas demeurer dans le péché afin que la grâce abonde. Non, tu dois arranger aussi la vie. Le Seigneur peut bon qui s'abonde moi. Le pardon est auprès du Seigneur. Et cela en abondance afin que nous le craignions. Et celui qui craint Dieu l'écoute et l'obéit. Amen. Amen. Bisotozondima. C'est comme ça que nous croyons. Bien aimé enfant de Dieu.
Vraiment, je vois que nous pouvons accoster. Donc Dieu est bon. Bon, il nous aime. Azali ko linga biso. Mais il permet des choses difficiles. Na pesa nzela na biloko ya pas. Et ces choses-là peuvent nous arriver. Et tout cela pour notre bien. Oui. 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 Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Manne que tu ne connaissais pas. Une nourriture étrangère. Et que n'avait pas connu tes pères. Pourquoi tout cela a fait de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Amen. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Alors, ici dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il y passera comme la fleur de l'herbe. Le riche passera comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. La fleur tombe. Et toute sa beauté est disparue. Vous voyez, frère? C'est comme un riche. C'est ça. Iyo. Ça va, il va disparaître. Ses richesses aussi disparaîtront. Et ici, il dit. Awalobie. Il ne faut pas avoir la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, en faisant acception des personnes. Et en faisant cela, vous voyez, quand tu dis à celui qui porte l'habit magnifique. Vous lui dites, toi, assieds-toi avec toute politesse. Toi, yo. Hein? Toi, yo. On va faire ça. Vous voyez comment on fait ça? Avec tout respect là. Toi. Et tu vois le pauvre. Ah, va, tiens-toi là-bas. Va là-bas. Ah, quitte-toi, non? Va là-bas. Va te tenir là-bas. Voyez. Bon moni. Et l'apôtre dit. Lorsque vous faites cela. Que cet homme. Olobi na ye mobola toi. Tu dis au pauvre toi. Tiens-toi là debout. Le mawana. Ou bien. Toi. Assieds-toi. Vande. Au dessus de mon marchepied. Na se ya nyatelo ya makaka nangai. Donc yo vandi. Alors toi tu es assis. Puis Olobi na ye. Et tu lui dis. Yo vandi. Toi tu es assis non? Marchepied yangoi. Voici le marchepied. Olobi. Tu vas au télé matin. Je dis, ah, arrête d'être debout. Yakavana. Viens, assieds-toi. Ici. Je suis en train de tirer ma colo. Yakavana. Marche-pied, viens t'asseoir. C'est ça. Les abons. Et l'apôtre nous pose la question. Ben, Thomas, tu ne vis pas mon. Il dit. Alobi. Tango bozolo babongo. Lorsque vous dites cela. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Donc, pona. Ce que vous faites là, est-ce que vous ne distinguez pas?
Est-ce que ça distinction, ça acception de personnes, est-ce que ça favoritisme, ce n'est pas du favoritisme. Et n'êtes-vous pas de juger aux pensées mauvaises? Eh bien non, bozalite basambi sina makanisi ya mabe. Kosambi sana bino wana. Votre jugement là. Est-ce que vous jugez avec de bonnes pensées? Non. Vos pensées sont mauvaises. Bino mazali mabe. Et votre jugement est faux. Pe kosambi sana bino ezaya lukuta. Maintenant, il produit des conseils. Écoutez. Boyoka. Écoutez, mes frères bien-aimés. Boyoka, bandeko nanga balingami. Dieu. Zambe. N'a-t-il pas élu le pauvre? Ya pona kite babola. Aux yeux du monde. Na misi ya mokili. L'élection de Dieu, le choix de Dieu. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Pour qu'il soit ces pauvres-là aux yeux du monde, Dieu les a choisis pour qu'il soit riche en la foi. Un jour, frère Franck. Avec frère Gérard Nkunda d'Angleterre. Je suis allé le voir avec frère Gérard Nkunda de l'Angleterre. Et après, ils ont dit ce n'était pas un jour de quitte. Tout le monde était au bureau. Frère m'a transporté dans son véhicule. Nous sommes arrivés. J'avais des questions. J'ai posé, c'était fini. On voulait partir. Il a fini à prier. Il a fini à prier. Il a mis la main dans la poche. Il a mis portemonnaie. Il a sorti son portemonnaie. Il faisait ceci. Il a mis billet de 100 euros. Il a sorti un billet de 100 euros. Il a frère Gérard. Il a donné au frère Gérard. Je n'ai que frère Roy a été Angleterre. Il a jeep. C'est lui qui m'a transporté dans sa jeep. Alors oui. Frère. Allô frère. Prends un petit. Zoa, moi mukeo. Ici pour carburant. Ah, pour carburant. Pour carburant. Le frère Joseph n'a pas besoin d'argent. Azana il est riche. Azamozu. Ngano bi amen, je suis riche. Amen. Azamozu ndeko. Mingi bagay sande na kena na. Beaucoup pensent que Frère Franck ne m'a donné même un euro. Pas même un euro. Pena senga eti. Et je ne lui ai même pas demandé. Yeberango. Tu dois le savoir. Donc, nous ne nous attachons pas au service de Dieu pour des cadeaux. Le seul cadeau, c'est la parole de Dieu. Le seul cadeau que nous cherchons, c'est la parole de Dieu. Si c'est seulement pour l'argent. Mais frère Franck. On allait abandonner frère Franck depuis longtemps. Beaucoup l'ont abandonné à cause de l'argent. Parce que là, j'ai lu seulement message. Même l'apôtre Mbille. Même Thomas Mbille. De la première rue. Il nous a dit, moi et frère Kalonji, dans son bureau. Ah, mais frère, c'est seulement le message. Mais où est l'argent? On a besoin de l'argent, frère. Le message est vrai. Là, ils ont un problème. C'est la pire parole de Dieu, message. C'est la pire parole de Dieu. Mais il n'y a pas l'argent. Bon, vous êtes. Et barrière, frère Franck. On a besoin de l'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi les Tommy au sport. Pour Robert. Quand même, ils songent à nous. Bango, on nous donne quand même des cadeaux. C'est ça. Donc, on crée des églises aujourd'hui.
comme ONG, comme des ONG, partenaires en Europe, pour chercher des partenaires en Europe. C'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un frère qui m'a exhorté. C'était frère Mwamba Mbujmai. Il m'a dit, mes frères Joseph, vous devez quand même écrire quelque chose. Moi-même, je vais amener en Allemagne, je vais donner à frère. Il doit quand même vous financer. Parce qu'ils ont financé Bandeko Nabino en Afrique. Parce qu'ils financent vos frères en Afrique. Il y a même des gens qui écrivent à Frère Franck. Pour avoir même bon, il y a mariage. Vous demandez même l'argent des mariages. Ici en Afrique. Ah, en Afrique. Nous ne faisons pas ça. Nous sommes à la Kangote. Toujours quand on a basali en Zambie. Nous nous attachons à ce que nous avons. Pour la sécurité. Et là, on a vu ce que nous c'est-à-dire la parole de Dieu. Je ne peux pas choisir une église pour Baedakabatu, non? Je ne peux pas choisir une église. Ça, ce n'est pas un bon choix. Yo, quand on a l'assemblée, on ne peut pas entrer dans une assemblée non. À cause on de. Va on va m'assister quand je serai malade. Ce sont des accessoires. Ce sont des accessoires. C'est pas ça. Zabongote. On assemblée, on a été. Je suis dans l'assemblée. Ah, là-bas, on n'assiste pas les gens. Non, c'est pas ça. Ils ont bon côté. C'est pas ça. Ils ont bon côté. Un bon choix. Comprenez la parole. Ils ont l'ilo bas. C'est à cause de l'esprit. L'esprit de Dieu qui règne. Et la parole de Dieu qui est prêchée. C'est le caractère même de l'assemblée. Le lenga ngokutu ya koyanga. D'une église biblique. Et quelle est ce mot qui a c'est comme ça. Ils ont bon go. C'est normal, moi, depuis que la sœur a accouché, nous allons là-bas pour célébrer. Moi, j'ai accouché, ils ne sont pas venus. Moi, je suis entré à Mama Yem, ils ne sont pas venus. Moi-même, je suis déjà entré à Mama Yem. J'étais interné là, les frères. C'est vrai, si quelqu'un a besoin de visite. Mais vous avez le choix d'assemblée. Ça ne peut pas être le choix d'assemblée. Et vous avez la raison d'église. Ça ne doit pas être la raison pour sortir de l'église. Parce que Nzambe peut vous dire que vous avez la disposition de votre cœur. Pour voir la disposition de ton cœur. On n'est pas venu me visiter. Moi, l'enfant était hôpital. J'ai fait l'hôpital. Personne n'est venu. Église, église, il y a un pasteur. L'église, l'église. Quel pasteur, quel Jack. Ce sont des bons faits, quel mauvais là. Je vais appeler parce même que Lazare, parce que Lazare, mon nom est Belaka. Il n'est pas allé. Aïe, bah, il est mon nom est Belaka. Son ami était malade. Jusqu'à mon nom est Koufi. Jusqu'à ce que l'ami est mort. A qui est premier jour, à qui est deuxième jour, à qui est troisième jour, à qui est dans mon ingénieur poli. Juste que la mienne était déjà pourrie. Quatrième jour, n'est à qui. Et il est allé. Soki yozo aka Marthe na Marie. Si toi tu étais avec Marthe. Donc bah que Jésus yewana. Camarade de votre frère. Parce que pasteur na bino te. Mais votre pasteur non. Tu quel angai passe passe ni. Ah laisse-moi quel pasteur. C'est ici qu'il vient. Il sait connaissent ma voix. C'est ça l'air de venir. Berger. Vous avez vu des bergers. Berger à Zantangonso, brebis à Zana, Likama, berger à Zawana. Un berger tout le temps, quand la brebis a des problèmes, le berger là. Donc pour nous, Jésus a dit que vous êtes berger. Alors pour toi, ce qui est un berger, mauvais berger. S'il était berger, alors mauvais berger. Et pourtant, le bon, c'est lui. Alors, oh, Yamala Mundeye. Il est l'unique et bon. Azali Moko Kaka Yamalamu. Le bon berger. Mon bâtel Yamalamu. Et Frère Branham a dit, et Branham a dit, et Marie, et Zalamalia, et Marthe, la Marthe, n'ont jamais manqué du respect à son égard. Quand elle est la cahier. Vous voyez, c'est bon comme ça. Zali Bongo. Jésus qui était Dieu manifesté à chair. Yesu azaki nzambe comme on sakati na musuni. Est-ce qu'il a kokani na bosenga kwene iloko kokani na lilanga? Est-ce qu'il est comparable à iloko abosenga alilanga? Non. Te?
Il est Dieu. Mais en disant cela, il dit que le problème, c'est que tu es un problème. Amen. Amen. Nous nous sommes des riches. Amen. Notre richesse, Amen, c'est dans la foi. Et encore, il nous a choisis pour être héritiers du royaume. Le royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Voilà. Ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu, il leur a promis un royaume. Un royaume éternel. Nous régnerons avec lui. Il nous a élus pour cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, étant le peuple de Dieu, nous devons connaître ce Dieu-là. Encore aujourd'hui, Jésus l'est là. Il n'a pas donné l'occasion pour tout à l'église. Pour voir l'église. Mais Dieu voulait demain. Le Seigneur sait quelle nourriture au toi nango bossé. Qu'on a besoin. Il sait. Celui qui sonde le cœur. Il connaît ce qui est en nous. Il connaît nos besoins. Il connaît tout. C'est pourquoi que Dieu puisse aider chacun de nous, les venons, qui nous aide pour que nous sachions que le Dieu que nous croyons, il peut permettre aussi que des choses difficiles nous arrivent. Pour savoir la disposition de chacun. Je vais connaître mon frère, mon témoin, mon frère, mon témoin, il veut t'humilier. Amen. Amen. Il veut seulement t'humilier. Humiliation, cette humiliation là pour connaître pour savoir si tu garderas le message ou pas. Parce que tu connais beaucoup le message. La parole du prophète. Quand les difficultés arrivent, nous verrons si tu ne vas pas retrancher. Voyez-vous, Dieu est bon. Est-ce que frère, frère, est-ce que tu as compris frère, ça? Frère, yo, frère, toi, frère, tu as compris cela? Ma soeur, ma soeur, tu as compris cela? C'est ça. Bongo. Kolembete. Ne te fatigue pas. Dieu nous donne la capacité de surmonter. Dieu ne nous décourage pas. Dieu, combat. Mo bekesi.
kokamata mata motema na la la yo so bona bona yo yeso de la Sala ya yo kolo ade la kama na ma ade na kolo mboko na biso akobonde la pona kokaba motema na ye pa na kolo. Chacun de nous va prier pour consacrer son cœur. Kolinga ye na motema na ye mobimba. Levez de tout son cœur. Kobate la malakona ye. Gardez ses commandements. Ata kompasi. Même s'il y a des difficultés. Ata komika katano. Même s'il y a des souffrances. Mais azala wankolo. Qu'il appartienne au Seigneur. Tokobonde la. Nous prions. Oh Nzambe. Na yali kotondo yo. Uzanza mboko ya solo pe bombo ipaseko. Yokelanga mawa sungangai kambangai pesa ngai bulimbo mbotu mbotama ya sika ya solo mbongwana ya solo nakati na bana na isala Basaki baike mi bale kaka balumaki utano bebuna ebere na base perisaki ote bakwea basumuka ya mwana mkulu okomango bweza la ba instruction Bona, biso baoyo, tokomi na suka ya bikeke. Machi pe ye rage, ye vrema. Na suka na. Na wano biso. Ngai, biso mabopona na mbona. Kuler na biso mbona na mem dali miliasi. Kumam Santo Lobanayo Diego Sagate Dizambuya Buye Bongolaka Seigneur Machination ya Diablo Sotolanda Mote to de Mamote Ma raisonnement ennemi C'est un pervertisseur. Mais sous ma vision, tout ça la produit authentique. Tout comme ma pas perverté, Seigneur. Pas une foi perverse, mais la foi authentique qui ne croit que Dieu, qui ne croit que la parole de Dieu, qui ne croit qu'aux Écritures. Ce que tu veux que nous ayons. Merci. Colo. Jamais, malgré le système et Amabé, nous ne pouvons jamais haïr les gens. Nous ne pouvons jamais tuer quelqu'un. Aujourd'hui, les Congolais, nous avons sa mémoire. Il y a deux citoyens tués, assassinés
à cause et à méchanceté de l'homme, na haine. Les hommes qui ne supportent pas une contradiction, tu peux contredire à Imio. Nous pouvons haïr tout système qui est contraire à l'écriture. Et nous devons aimer les hommes. Les gens. Merci Seigneur. Vous savez pourquoi je suis contre les religions, mais je ne suis pas contre les individus. Contre la politique actuelle. Mais je ne suis pas contre les politiciens ou des hommes politiques. Ce sont des hommes. Je ne suis pas contre les individus, contre les hommes, mais contre chaque système qui est contraire à la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes tous les deux. Parce qu'on l'a assassiné à cause de la boue système à Zagana. Non, personne n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un d'autre. Le donateur de la vie, qui peut ôter la vie. Pas à nous. Seigneur Sungabis, que nous haïssons personne. Nous n'haïssons personne, Seigneur. Mais nous aimons tous, tout le monde. Oui. Même bato ba sera biso mabe tolinga ba. Bo ba zeko contredire biso bazo tonga bazo murmurer mais biso tolinga ba ngwa. To bonde la pona bango zambe asunga ba. Parce que ce n'est pas la nature de Dieu. Merci beaucoup. Deux serviteurs de Dieu pour bakambami bakoko ya ko bondela. Pe tokobima. Nzambe tatana biso ozana bisika na likolo. Dieu notre Père céleste. Mose mosali na yo. Moïse ton serviteur. Lokola ndeko na biso Joseph Lilanga na tongo ya lelo. Comme notre frère Joseph Lilanga ce matin. Akokaka koyebisa na Israël. Il pouvait dire à Israël. Israël yoka. Israël écoute. Nzambe na yo. Ton Dieu. Azan Nzambe moko kaka. Et le seul Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de toute ton âme. Et de toute ta force. Dieu du ciel. C'est toi qui as sorti Israël en Bango, voyage. Et ils sont sortis dans la chair. De même aussi que tu nous fais sortir. Du monde. Des dénominations. Il parle, qu'il ne dise pas la parole. Il ne t'abandonne pas, toi, Dieu.
C'était arrivé aussi aux élus. Lokola biso pe tozali baponami. Comme nous aussi nous sommes des élus. Kembo nyoso ezongela yo. Que toute gloire te revienne. Eloko ya kokumisa yo. La chose à te glorifier. Ezali été. C'est que otie biso na rang moko élevé. Qui nous a placé dans un rang Kolongwa élevé. Bana ya mbato. Qui t'a le ko bianga bana ya nzambe. Et qui a fait de notre vie. Eleki nyoso. C'est plus que tout. Pe toyebi été nkolo. Et nous savons que Seigneur mokolo wana. Ce jour-là toko vanda na yo. Nous nous asseyerons avec toko toi. Mona yo. Nous te verrons. Oyo tozali kolinga ye na kozanga komona. C'est lui que nous aimons sans voir. Pe toko kumisa yo. Et nous allons te louer. Merci pour Natoli oyo. Merci pour ces conseils. Yo zali mosali ya théâtre te. Toi tu n'es pas un faiseur de théâtre. Nyoso yo lobaka. Tout ce que toi tu dis. Ezala kanantina. Ça une raison. Atako soko tomoni yango lelo te. Nous ne voyons pas ça aujourd'hui. Ozali sentinelle monene. Amen. Il y a une grande sentinelle. Omona kali kambo na mosika. Tu vois la chose de loin. Pe okebi sagalibota. Et tu avertis le peuple. Tika ete Seigneur. Laisse que Seigneur. Libota na yo likebi sama. Que ton peuple ne soit averti. Oye kokomela moko na biso. Ce qui arrivera à chacun de nous. Kembo pe lokumu. Que la gloire l'honneur. Ezonga ipai na yo. Te soit rendu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pona kopambola ndeko Joseph. Pour avoir béni frère Joseph. Kopesa ye inspiration. Pour lui avoir donné l'esprit. Kolobela biso uta na liloba na yo. Pour parler de ta parole. Merci Nzambe na lola. Merci Dieu du ciel. Pona kopambola biso. Pour nous avoir béni. Parce que so ki olingi biso te. Parce que si tu ne nous aimes pas. Kolobela biso yango te. Il ne va pas nous dire ces choses. Malamu na yo ezali po ete okebisa ka libota na yo. On te sait que tu avertis ton peuple. On même makamoto na jugement te. Tu n'amènes personne en jugement. So ki na nou avertir yete. Sans pouvoir l'avertir. Merci. Matondi. Nous rentrons dans nos maisons. Lola ici likoloba. Le ciel a parlé. Totambule longona yo. Que nous marchons avec toi. Zala nzambe na biso. Sois notre Dieu. Pe prouver lisu na mokili. Et prouver aussi au monde. Na satana. Et Satan. Et te tozali libota oyo yaka komisombela. Nous sommes Amen. Le peuple pe qui est venu soin na biso. Et tu es venu Tia kimia na engumba na biso. Donne la paix dans Tia notre pays. Tia kimia na ekolo na biso. La paix dans notre nation. Pe okoka kopambola mwasi libala bipai nyonso ya kuta. Que tu puisses bénir l'épouse partout cette Seigneur, Kolo, oyo ayaki na pousa, c'est lui qui est venu avec yali kambo moko songolo, de quelque chose, et à nous, ezande yo. La réponse est toi. Soko mobeli bikisaye. Si le malade guérit, mutazana besoin misolo pesaye. Qui a besoin d'argent dans lui. Oyo azali na besenga yali sungi moko. Qui a besoin d'une nani mosungi mosusu. Attribution na yo. Ton attribution. Ezali ete mosungi ya kokamba. C'est que Tika été au Sunga. Que tu puisses assister. Peloku munyo se kozongela. Que tout honneur te reviendra. Merci pour ton assistance na yo. Merci pour ton assistance. Ton dimi et tous alaki na biso. Nous croyons que tu es avec Peloko nous. Peloko kende na biso. Et tu iras avec nous. Touti ko yoka. Nous venons d'entendre. Ete bato mingi bakanisaka ete yo vandi na ndako yo. Que beaucoup pensent que toi tu habites dans cette maison. Ba ye ko tala yo. Et quand ils viennent te voir. Na sima ba pesi au revoir. Après tu te dis au revoir. Ba zongi na bandako. Ils rentrent dans la maison. Po ete baya lisu ko kuta o mokolo wana. Pour qu'ils reviennent encore dans cette maison. Ce n'est pas comme ça. Yonde ozali nzambe na biso. C'est toi qui es notre Dieu. Biso nde tozali efandelo na yo. Tokutanaki na poto yo katoli na yo. Mais na bozongi na bandako. Moko moko na biso azonga na yo. Que chacun de nous rentre avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Na kombo na nkolo Yesu Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Tobonde libongo. Nous avons ainsi prié. Zambe tata na biso tozongisi matondi. Dieu notre père, nous te remercions. Puisque lelo to vivre oyo lobaki ete mutu moko te akote ya moninga na ye. Parce qu'aujourd'hui nous avons expérimenté ce que tu as dit, nul n'enseignera son concitoyen. Non. Lolingo te yaki batu na tango noé na ba age nyonso ndo te biso pele la tongo lelo. De la même manière que tu as prêché les gens du temps de Noé et d'autres âges, c'est de la même manière que tu nous as prêché aujourd'hui. Na yango wana to pesio merci. C'est pour cela que nous te disons merci. Mais otoyoki lelo na tongo. Mais ce que nous avons entendu ce matin, ezali information ya lola. C'est une information divine. Mais le problème est que les sicoyo. Maintenant le problème qui reste maintenant. Bisuto zwa information oyo. Que nous prenions cette information. To vivre yango. Que nous puissions la vivre. Nde sikali kamwezali. C'est là où il y a le problème. Awe ezali école. Ici c'est une école. Lorsque nous sortons de l'école, mes champs d'entraînement, le champ d'entraînement, champ de pratique, champ de pratique, ezabanda kunabiso, c'est dans nos maisons, ezabana nabiso, c'est chez nous, ezabavoisin nabiso, c'est nos voisins. Puisque tu otambulaka, dès les champs d'entraînement, pour appliquer tout ce que nous venons d'apprendre, Seigneur. Mais tata,
Père, ne nous laisse pas ainsi. Mais la parole que nous avons entendue. Toi, tu as dit, si la parole est prodigue. Ce que je suis, ce sont des prodiges et des miracles. Mais conformément à cela, oyebi besoin ya moko na moko ayaki na tongo oyo. Tu connais les besoins de chacun qui est venu ici. Tikati à vivre. Yo zalinzambe le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'il puisse expérimenter que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement? Merci Seigneur Jésus-Christ. Madonna, Jésus Christ. Personnellement, dans Zakane Sengo. Gaimoko, je suis dans la joie. Koyaka esika oyo. En venant à cet endroit. Komona kali lobe bandaki kuna assemblée qui teka. Eleki kabalo kabalo awa, ça ne change jamais père. Comment la parole qui a commencé depuis qu'il était à Kabbalah est ici et ça ne change jamais, Père. C'est ce qui fait ma joie dans cette assemblée. Pambola Makabunios, où vous placez Katinesika. Bénis tous les dons que tu as placés en cette assemblée. Pambola, frères et sœurs. Ma bénédiction, Nios, où vous avez placé l'église. Bénis les frères et sœurs de toutes les bénédictions que tu as voulu bénir cette église. Amen. Brièvement, nous disons ceci. Battez la bise sur la bosongi la banda. Garde nous dans notre retour. Gloire, honneur. Kembo le combo. Et zongé pas na yomuto bonga na yango. Et soit rendu c'est toi qui en es digne. Na komo ne sou Christo singa. Au nom de Jésus Christ nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Togogo vanda. Nous allons nous asseoir. Voilà. Attention que moto au boy système naie mais qui n'a été. Mais monsieur, tu ne veux pas le système de quelqu'un, mais il ne faut pas les haïr. Le boy politique est naïe, mais quoi il a été. Tu refuses sa politique, mais il ne faut pas les haïr. Linga mutunyos. Aime tout le monde. Voilà tout ça na bambote kouta na bande konabiso de komasi Efata. Nous avons les salutations de notre sœur Efata. Wala wala. Wala wala. Eliezer Nkwanga na Brazzaville. Eliezer Nkwanga de Brazzaville. Joseph Mbongo depuis, je crois, Suisse. Joseph Mbongo depuis Suisse. Deco Michel depuis Likasi. Deco Michel. Frère Michel. Ce qui depuis France, quelque chose comme ça. France. Mais depuis Likasi, France. Depuis Likasi, France. Bonso. Tous nous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous arrêtons, ainsi demain Dieu voulant nous allons nous retrouver. Mais que Dieu bénisse chacun de nous.